Je n'ai pas honte à le dire, le meilleur moment de la semaine, parce que c'est toujours des émissions le vendredi un peu particulières, où l'à-peu-près règne du début jusqu'à la fin, et alors bizarrement, c'est les meilleurs résultats de la semaine. C'est à se demander, comme nous l'a d'ailleurs écrit quelqu'un dans un tweet il y a quelques jours, un tweet très sympa, « J'adore votre émission ». Car dans l'amateurisme, vous êtes devenus de vrais professionnels. Et c'est vrai qu'on le médite cette émission, mais on a des résultats. Alors nous allons aider tous ceux qui en ont besoin, je vais vous les présenter dans quelques instants. On peut dire qu'elle est avec nous parce qu'on la sent à 3 km. Elle s'est parfumée avant de venir sur le plateau. Bonjour. J'ai nommé Anne-Claire Moser, votre avocate de Reims. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il va y avoir la spéciale d'Auvert. Le vendredi, c'est le jour de la consommation. Il va décrypter les étiquettes, vous donner tous les bons plans pour vos courses de demain. Notre grand, l'unique, le seul, souvent imité d'ailleurs, et jamais égalé, Olivier Levert. Ouais. Nous allons avoir tous les secrets des dossiers, toutes ces informations qui nous permettent de négocier grâce à notre Linda qui est avec nous. Bonjour Julien, bonjour. Et maintenant, présentation de la salle des appels. Avec par ordre d'apparition, relookée par Christina Cordula elle-même, Hervé Pouchol. Bravo. Bonjour à tous. Johanna Boubekker est avec nous, bonjour Johanna. Bravo. Merci, ça va Johanna? Ça va très bien, merci. Ce sera vous. Vous serez mon œil là-bas, la salle des appels, okay. Parce que... Le Moumpet Show, il faut les surveiller de près quand même. Ouais, je regarde tout. Et Bernard Sabat est avec nous également. Bonjour à tous. Notre spécialiste voyage. D'ailleurs, il y aura des questions. Alors, comme nous le faisons depuis le début de la semaine, avec, je crois, un succès qui n'est pas vérifié, mais que j'estime comme ça au nez, vous posez vos questions et nos spécialistes vous répondent. Et nous allons démarrer avec la première question. Profitez-en. Hein. Comment fait-on d'ailleurs, Linda? Eh bien, on doit envoyer sa question à ça-peut-vous-arriver@m6.fr. Et Géraldine en a une à poser. Géraldine, absolument. C'est une question pour Anne-Claire. Ah. Donc, je vous la lis telle que Géraldine nous l'a envoyée. J'ai payé 1000 euros pour un entretien de ma toiture, mais le produit n'a pas fait son effet. Quels sont mes recours? Ah, ça, c'est compliqué parce qu'après, on peut toujours vous dire oui, mais madame, vous comprenez, c'est pas moi, c'est à cause des tuiles. Et quand on n'y connaît rien, que fait-on? Réponse. Alors, la vraie question, effectivement, c'est de se dire quel a été le conseil qui a été dispensé au début. Quelle a été la relation entre le professionnel et le client? Imaginons que pour notre ami, on lui ait proposé, par exemple, un produit qui démoussait. S'il s'avère que, alors qu'elle a bien utilisé ce produit, ça ne démousse pas, alors là, ça veut dire que le produit n'est pas conforme à ce qu'elle attendait. Elle pourrait alors se retourner vers son vendeur pour lui demander, eh bien, peut-être de faire un geste, mais en réalité, il n'y a pas de règle précise parce que, vous savez, on parle souvent de la garantie légale de conformité, mais ça, ce sera plus juste, par exemple, si vous achetez de l'électroménager ou que sais-je encore, ce sera plus net. Donc, à voir en fonction de ce qui a été promis, il y a une vraie part, comment dirais-je... Oui, mais est-ce que l'intérêt, c'est pas d'aller faire des photos avant? Parce que pour pouvoir dire, regardez, avant son passage, après son passage... Mais tout à fait, il faut toujours, de toute façon, ayez toujours cela à l'esprit, la preuve, c'est vraiment ce qui compte, car si vous avez demain un problème, que ce soit à régler en justice ou pas, si vous n'avez pas la preuve de ce que vous rapportez, vous allez être très ennuyé. Et Olivier Dauvert est devenu un homme heureux depuis qu'il a demandé à sa femme, son ex-femme, d'aller faire des photos du démoussage sur le toit. Les retombées beaucoup plus rapidement que prévu et la vie est belle depuis. Il dort tous les soirs. C'est un quoi? C'est un soulagement. Bah, évidemment, pour tous. Olivier, merci d'être avec nous en tout cas et bravo pour cette question, madame, qui nous a permis d'apprendre des tas de choses. Alors, une question peut-être pour Bernard Sabat, dis donc. Il y a des gens qui veulent vous poser des questions. C'est bien la première fois. J'ai bien fait d'attendre 30 ans de carrière pour entendre ça. Quelle est la question et qui et comment d'ailleurs au fait-on pour nous les poser? Rappelez-le, c'est important. Alors, il faut nous poser les questions via l'adresse mail, ça peut vous arriver, @m6.fr. Alors, c'est parti, @c@. Hein. Oui, absolument, mais moi, vous savez, moi je suis dans l'à peu près, hein, c'est le charme de l'émission, vous le c'est savez. C'est vrai, puisqu'on est dans l'à peu près, posons une question à Bernard. Alors, la question c'est la question de Simon. Si mon train est annulé, ai-je automatiquement le droit de prendre le suivant? Alors, Bernard, effectivement, bonne question, on y va. Simon, malheureusement, si le train est complet au moment où vous avez donc d'où vous devez partir, le train suivant, vous pouvez pas le prendre systématiquement. Vous devez demander au contrôleur, au chef de gare sur le quai, s'il y a de la place. Car avant, on pouvait voyager au bar tranquillement c'est et s'asseoir. Fini, ça là, maintenant, il faut une place nominative, sécurisée, contrôlable, automatiquement. Donc, vous ne pouvez pas monter dans le train suivant s'il n'y a pas de place. J'en profite pour dire aux gens qui prennent le train et qui ont une place au premier étage et qui posent la valise au rez-de-chaussée pour pas l'avoir à monter. Alors, celui qui est au rez-de-chaussée quand il arrive, les casiers sont pleins. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'aller mettre la valise à l'étage. Et à l'arrivée, il y a une espèce de chassé-croisé de valises. C'est le bordel. Quand on est au premier étage, on met sa valise au premier étage. Engueulez Hervé, s'il vous plaît, parce que Hervé, il le fait, ça. C'est vrai, vous faites ça, Hervé Pouchol? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu la flemme de monter ma valise quand je suis au premier. Donc, j'arrive avant les autres et je mets ma valise discrètement en bas. Mais il faut...
personne me voit. Hervé, je vais, si vous m'y autorisez, dans quelques instants, faire un petit tour de tous ceux qui sont là et qui ont besoin d'aide, qui tous se posent une question parce que ils vous voient et se demandent si vous vous êtes réveillé il y a seulement 3 ou 4 minutes. Ah et bon je ne mens pas, Cassandre, est-ce que ce n'est pas l'impression que vous avez en le voyant? Non. Dites la vérité, soyez honnête avec moi. Non, je ne peux pas dire ça. Bah, dites la vérité, oh, qu'est-ce que vous pensez? Attendez, non, regardez. Dites ce que Julien veut entendre, ça ira plus vite. Oui, peut-être. Ah voilà, Cassandre. Donc, il y a pourquoi vous dites Cassandre ça parce que j'ai l'impression, là, vous êtes les cheveux en bataille. Ah oui, moi, j'ai passé une nuit un peu particulière. Ah, je cherchais un fil rouge pour l'émission. Ça, c'est le vieux briscard qui pose des questions pour essayer de trouver la faille. Allez, on continue avec vos questions. Vous êtes sûr, ça peut vous arriver, RTL M6. Julien Courbet. RTL. En ce vendredi, vous le savez, tout à l'heure, il y aura le Dover Show, les meilleures promotions, les décryptages d'étiquettes. Mais dans la première demi-heure, vous posez toutes vos questions à nos spécialistes. Déjà, 2 questions ont été posées. Hervé Pouchol, qui nous a glissé discrètement, j'ai eu une nuit très agitée. Je garde ça pour la bonne bouche. Mais les questions continuent. Ça peut vous arriver à @m6.fr. C'est le meilleur moyen pour que votre question soit sélectionnée. Qui pose une question maintenant, s'il vous plaît, Linda? Eh bien, c'est Christophe qui pose une question à Anne-Claire. Mon fils s'est fait voler son scooter et a fait condamner les délinquants à lui rembourser les frais de réparation. Mais on ne voit pas l'argent arriver. Que devons-nous faire? Alors, elle est plus large que ça, la question. C'est tous ces gens qui disent « je gagne en justice et j'arrive pas à me faire payer ». Alors, beaucoup pensent que qui dit justice dit automatiquement argent. Alors, il y a des cas où il y a des caisses qui peuvent intervenir et d'autres où on n'a que les yeux pour pleurer. C'est ça. Et dans le cas de notre ami, effectivement, on pourrait imaginer qu'il puisse saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, communément appelée la CIVI. C'est un fonds de garantie pour les personnes qui n'ont rien demandé à personne d'autre, qui se font, qui sont victimes d'infractions. Mais il y a des plafonds. Par exemple, si je me fais tabasser. Alors, typiquement, là, je parlais d'une atteinte aux biens, mais ça peut être aussi, évidemment, une atteinte aux personnes. Donc, lui, il pourrait se faire rembourser. Lui, il pourrait, puisqu'il y a aussi des indemnisations pour les atteintes matérielles. Une bagnole, une voiture qui aurait été, brûlé ou quelque chose comme ça. On a un plafond d'indemnisation à 4767 euros, donc à voir, mais surtout il y a des conditions de ressources. Et selon... C'est-à-dire quelqu'un qui gagne très très bien sa vie comme Olivier Dauvert, lui il n'aura rien. Ah, Olivier Dauvert, non, je pense qu'avec tout l'argent qu'il a, non, malheureusement, non, c'est pas possible. Je le sais, on voit votre train de vie. Ah bah ouais, on sait bien. Ouais, non, des chemises comme ça doit être des modèles uniques. Ah, c'est de l'étoffe. Personne ne se lancerait dans une collection avec des chemises à fleurs comme ça. Ça doit être un artiste qui a fait ça, un artiste peintre. Ouais. Alors, si vous voulez, donc je vous le disais, il y a des conditions de ressources. Et puis, en fonction des personnes que vous avez à charge dans votre logement, gardez à l'esprit que c'est entre 19 000 euros de revenus par an jusque 29 000 euros de revenus par an où vous pouvez être pris en charge. Mais il faut avoir à ce moment-là 6 personnes à charge. Bref, il y a tout un tas de démarches à faire, voir un avocat pour qu'il saisisse cette fameuse commission. Bref, on ne va pas se mentir. Quand il arrive un problème comme ça, c'est assez rare d'avoir de bons résultats. Allez, attention, nous allons maintenant poser une question, alors c'est vous qui l'avez posée, à celui qui a mérité son jingle, Olivier Levert, Olivier Levert. Ohé, ohé, ohé. La question. C'est une question de Karine. Pourquoi est-ce que je ne retrouve pas les mêmes produits dans le Franprix à côté de chez moi que ceux que je trouve au Franprix à côté de mon boulot? C'est une très bonne question et qui permet d'évoquer la manière dont les enseignes construisent leur assortiment, bâtissent l'offre qu'elles mettent dans les magasins. Ça peut être la même enseigne, mais ce n'est pas la même zone de chalandise. On va prendre le cas d'un Franprix. Vous pouvez avoir un Franprix qui est sur une avenue très passante dans Paris, ou un Franprix, c'est la même enseigne, qui est dans une zone résidentielle en périphérie parisienne. Donc c'est le loyer ? Non, c'est que c'est pas les mêmes consommateurs. Quand vous êtes dans une artère passante, on va vous vendre plutôt des produits de snacking, de dépannage. Ah, et quand vous êtes dans un magasin plus résidentiel où des consommateurs vont faire leurs grosses courses de la semaine, on va vendre des produits plus familiaux, des plus gros conditionnements. Et donc, la base de l'assortiment sera le même, évidemment, on aura toujours des produits Franprix, par exemple, mais vous aurez plus de produits en gros conditionnement dans des magasins dans des zones pavillonnaires que sur les Champs-Élysées. Mais alors, après, les prix, eux, sont les mêmes. Non, les prix, ils vont pouvoir changer. Vous n'avez que 2 enseignes qui garantissent que les prix sont les mêmes partout. C'est Lidl et Aldi. Dans n'importe quel Lidl de France, dans n'importe quel Aldi de France, vous aurez au même prix. Celui qui ouvre un Aldi, alors c'est ridicule comme exemple, mais c'est pour qu'on comprenne bien ma question. Celui qui ouvrirait un Aldi sur les Champs-Élysées, lui, il est pénalisé par rapport à celui. Eh oui, mais Pascal, Aldi ou Lidl, ça appartient à une même société. Donc, elle fait une balance interne. Et je vais vous prendre un exemple concret. Vous avez un Lidl qui est Porte d'Orléans à Paris. Vous imaginez que le loyer est assez élevé. Et vous avez un Lidl qui est à Villedieu-les-Poils dans la Manche. Je ne sais pas si vous voyez où est Villedieu-les-Poils, mais déjà, vous dites, c'est pas ça va être entre les deux jambes. C'est ça. C'est exactement ça. Ben,
les loyers ne sont pas les mêmes, les salaires non plus d'ailleurs, mais Lidl garantit à ses consommateurs que c'est le même prix. Ça veut dire qu'il va gagner plus d'argent à Villedieu-les-Poêles et moins d'argent dans un magasin à Paris, parce qu'évidemment les coûts ne seront pas les mêmes. Merci beaucoup. Et puisque vous parlez d'Aldi, profitons-en. Mais nous aussi. Vous rigolez avec vos histoires de poils. Mais pas du tout. Merci d'avoir parlé d'Aldi. Un petit coucou au passage à Patricia Cass. Il m'a dit que je suis belle. Elle nous regarde régulièrement et je voulais lui rendre cet hommage. Ah, ça c'est fait. Ah, on va s'amuser aujourd'hui. Je sens que tout le monde est en forme et je vois d'ailleurs, je la regarde du coin de l'œil, que Cassandre est assez réceptive à cet humour minable. On lui a pas fait la chanson. Ah, laquelle chanson ? Mon voisin, ma voisine. Je crois qu'il y a une Cassandre, en fait, c'est une rumeur, j'avais oublié. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle m'a dit, Claude MC, est-ce que tu veux descendre ? J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a dit, bouge de là. Voilà. Voilà. C'est un beau numéro qu'on fait là. Surtout qu'elle m'a dit de ne pas connaître. Elle met à la place de nos concurrents. Je ne la connais pas. Si cela, elle doit pas. Elle était pas née. Si cela. Et après, elle doit se dire, c'est peut-être eux qu'on aurait dû prendre pour la matinée. On serait pas sûr qu'ils pensent ça. On sera là à la Toussaint, Julien. Très bien, on l'embrasse, notre bruit, c'est très gentil. Nous allons attaquer une autre question. Posez-la, puis on va la répéter dans quelques instants, juste après la pequeña pausa. D'accord, c'est une question pour Anne-Claire, une question de Christelle. Et quoi, vous n'êtes pas secrétaire de médecin, hein. Non, si, j'avais mes ordonnances, si, j'avais tout. Vous avez un ton de secrétaire de médecin. C'est vrai. Tout à fait, il va vous recevoir. Oui, bon, écoutez, je vais faire un peu plus joie. Oui, olé, olé. Anne-Claire, j'ai gagné au prud'homme contre mon employeur 18 000 euros. Sur cette somme, je n'ai perçu qu'au 11 600 euros, dont mon avocat a prélevé 3 600. Est-ce normal qu'il soit payé alors que je n'ai pas reçu la totalité de mon dû ? Alors je vais réfléchir et je le dis après la pause. Nous allons répondre à cette question. Écoutez, je ris parce que Anne-Claire a quand même une spécificité par rapport aux autres avocates, c'est qu'elle travaille beaucoup à l'onomatopée. Oui. C'est-à-dire que vous avez Linda qui lui pose une question, somme toute classique. Je viens de gagner 18 000 euros et là vous entendez. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous faites des petites minauderies comme ça ? Je ne sais pas, je glousse comme une pintade. C'est pas pour qu'est-ce qu'il y a, Olivier ? C'est la seule qui glousse. Moi qui suis régulièrement à côté des différents avocats, il n'y en a qu'une qui glousse. On l'a aujourd'hui. Eh bien, écoutez, que le gloussement arrive. On se retrouve, mesdames et messieurs, pour tous ces cas, pour tout régler. Merci d'être avec nous, bien évidemment. Ça peut vous arriver. Alors, avant de répondre à la question de cette auditrice qui attend autre chose que des gloussements, je vais quand même vous présenter ceux qui sont avec nous. Nous avons la chance d'avoir un réalisateur qui sait mettre les gens en valeur. Et vous, croyez-moi, vous allez avoir de sacrées retombées après votre passage sur M6. Par exemple, là, on voit Laurent, en gros plan, qui nous arrive... Hein ? Vous arrivez d'où ? Souffelweyersheim. Ah oui, super. Vous êtes Strasbourg. Alors, je vais vous les poser. C'est pas facile, oui, Strasbourg. S-O-U-F-F-E-L-W-E-Y-E-R-S-H-E-I-M. Kamoulox. C'est-à-dire que quand vous sortez votre carte d'identité, vous vous présentez le papier sur le versant. Elle doit faire un mètre de large pour que ça rentre. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis chef d'entreprise. C'est très bien, on en parlera, on vous fera une petite publicité, vous l'avez mérité. Et vous n'arrivez pas à vous faire payer donc un impayé d'un client ? D'un client, oui, suite à un chantier du mois de mai. Voilà, Johanna, c'est vous qui allez vous en occuper ? Tout à fait. Johanna a été du temps de son vivant la maîtresse de Jean-Michel. Non, Jean-Michel Larquet est vivant, c'est Thierry qui nous a quittés, mais qui faisait tout à fait Thierry. Voulez-vous poser une question à Laurent pour faire connaissance avec lui, comme ça va être votre binôme, Johanna ? Très bien, bonjour Laurent, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Que faites-vous dans la vie, Laurent ? On vient de le dire. Ah pardon ! Il est chef de société. Oui. Toujours chef d'entreprise dans la communication adhésive. Voilà. Ah, d'accord, ça vous fait ça depuis combien de temps ? Alors, depuis 3 ans bientôt. Ok, ça vous plaît ? Très bien, oui, tout à fait. Oh, elle pose super. Des questions comme si elle jouait un ni oui ni non. Bien joué, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Nous avons Laurent qui est avec nous, non, on vient de le dire, c'est Ludovic qui est là. Bonjour Ludovic. Bonjour. Un boulanger, j'adore. Qui va devenir technicien de contrôle dans l'industrie chimique. Donc la boulangerie, visiblement, ce n'était pas son truc. Non, mais à la maison, c'est toujours sympa d'en faire. Et alors, comment vous avez effectué la bascule, alors ? Vous avez une formation pendant la boulangerie pour devenir... Parce qu'on ne devient pas technicien de contrôle dans l'industrie chimique. Ah, pas du tout. C'est une reconversion professionnelle. Oui. Donc, c'est sur 18 mois et... D'accord. Donc, c'est une formation. Très bien. Et alors, la boulangerie, c'était la vôtre ou vous étiez... Non, pas là. Non, j'étais employé. Et il est à Bennheim. Bennheim, c'est dans le Bas-Rhin. Il sera avec vous, Hervé, si vous voulez lui poser une petite question. Les voisins. Moi, je voulais savoir s'il était marié. Bientôt, le 27 avril. Et elle s'appelle comment ? Catherine. Oui, mais elle n'est pas très disponible, du coup. Et elle mesure combien ? Pardon ? Non, je dis à Hervé, elle n'est pas super disponible s'ils vont se marier. Ça, non, mais ce n'est pas Olivier Dauvert, je pose des questions, ce jeune homme-là. Elle mesure combien, monsieur, s'il vous plaît ? 1,75.
Parce que vous l'avez vraiment mesuré? Oui. Ah oui. Ah d'accord. Alors ça, Cassandre, je ne sais pas si vous avez un petit ami, mais est-ce que vous êtes déjà fait mesurer par un garçon avant une relation? Non. Non. Ah, mais c'est quand même marrant, ça, de connaître exactement la taille. Mais oui. Vous avez pris un mètre et vous l'avez mesuré? Non, c'est elle qui me l'a dit. Ah. Eh bien, si c'est elle qui vous l'a dit, vérifiez, parce qu'à mon avis... Tu peux enlever 2 centimètres. Pardon? D'où l'expression « on se toise ». Tout à fait. Voilà. Merci, Olivier Dauvert. Quand vous êtes dans le domaine de la consommation, ça marche mieux. Et nous allons maintenant répondre à la question qui a été posée il y a quelques instants. Julien Courbet sur RTL. Allez, dans quelques instants, nous allons aider Ludovic, Cassandre, Patrick et Laurent. Mais auparavant, on continue de répondre à toutes vos questions que vous nous posez, Linda, sur le... Ça peut vous arriver @m6.fr. C'est Christelle, c'est ça? C'était Christelle, absolument. Elle avait gagné au prud'homme contre son employeur. Elle avait gagné 18 000 euros, mais sur cette somme, elle n'avait perçu que 11 600, car son avocat en avait pris une petite partie. Est-ce que c'est normal, Anne-Claire? Je suis bien ennuyée par cette question. Alors, en fait, ce qu'il faudrait savoir, et ce que Christelle ne nous a pas dit, c'est y avait-il ou pas? Alors, normalement, il doit y en avoir une convention d'honoraires, c'est obligatoire, on doit encadrer nos honoraires, mais peut-être qu'il y avait un petit honoraire de résultat. Sachez qu'un avocat, ça peut travailler au forfait ou aussi au résultat, on peut mixer, on peut prendre 15% maximum. Bon, dans le cas de notre ami, on a des 18 000 euros qui sont dus, 11 000 euros qui sont payés. C'est assez, généralement, on attend, si vous voulez, d'avoir l'intégralité des sommes qui sont reçues par le client pour pouvoir se payer. Et ça, c'est tout à fait légal que d'aller piocher dans notre compte CARPA pour être payé. Donc voilà, il y a peut-être une petite discussion engagée avec son conseil. Mais pour surtout, comprendre. Bien demander, faire un devis, il n'y a pas de honte à vous demander un devis à un peintre, il n'y a aucune honte de demander un devis à un avocat en lui disant, en lui posant toutes les questions. Combien ça va me coûter? Si c'est prolongé? Si c'est en appel? Si ça traîne? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est tous les jours? On est obligé de le faire. Alors, on a vraiment une obligation de faire une convention d'honoraires pour que les gens sachent où on va. Alors, parfois, on ne peut pas donner un taux exact. Donc, on met un taux horaire. Mais il faut qu'ils aient une idée. Donc là, attention, peut-être que, à mon avis, une discussion s'impose pour essayer de comprendre. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des avocats qui travaillent au chrono? C'est-à-dire que comme ils sont payés à l'heure et qu'ils vous facturent l'heure 200, 400, 500, 1000, ça peut aller jusqu'à 5000 euros. Et donc, dès que vous les appelez pour demander où en est votre dossier compagnie, ils appuient sur un chrono pour pouvoir vous dire, eh bien, je rajoute 17 minutes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un chrono, mais je pense qu'il existe des logiciels, car on voit des honoraires de confrères qui sont capables de vous dire que vous avez passé une heure, deux au téléphone, qu'il y a eu 32 mails, 4 appels, etc. Et tout ça, c'est facturé, effectivement. Mais moi, mon avocat, il est très fort, hein, je le salue, hein, d'ailleurs. Moi, des fois, je l'appelle pour avoir. Alors, on en est où avec le contrat M6? Vous avez vu, M. Courbet, comme il fait froid aujourd'hui? Non, oui, d'accord, alors le contrat M6. Mais j'ai regardé la météo. D'ici une semaine ou deux, ça va s'améliorer. Et alors, le contrat M6? Ah, M6! Quelle belle boîte! Oui, d'accord, mais on en est où pour les... Alors, j'ai reçu la facture d'honoraire, il y avait 200 heures, j'ai toujours pas la réponse. C'est ça. Bon, allez. Sur quoi va-t-on? Une promotion, vous le savez, le samedi, c'est le jour des courses. D'ailleurs, faisons un petit tour d'horizon des différents hyper qui sont occupés par nos amis. Laurent, vous faites les courses chez qui, vous, là-bas? Lidl. Lidl, un point pour Lidl. Ludovic? Oh, Lidl. Deux points pour Lidl qui prend la tête. Cassandre? Leclerc. Ah, Leclerc qui revient bien. Patrick? Leclerc. Leclerc. De Leclerc, de Lidl. Bon. Ah, ben je vais commencer par Leclerc. Eh ben, on y va. Dans ces cas-là, 3-2. Et donc, chez Leclerc, vous avez du poulet fermier, je le vois, en même temps que vous, de louer à 5,39€ le kilo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous savez que les poulets fermiers, label rouge, c'est des poulets qui vivent à l'extérieur quand ils veulent sortir. Alors, la nuit, évidemment, ils sont dedans. Ils vont en boîte et tout. Ils sont mangés par des renards. Ouais. Mais voilà, donc 5,39€ pour du poulet, c'est vraiment pas très cher. Si vous préférez manger du boudin, on n'en mange pas assez alors que c'est très riche en fer. C'est un, voilà, c'est, vous savez, le boudin noir. Le boudin, c'est le sous-produit. C'est du sang. C'est du sang, donc c'est le sous-produit du porc, puisque dans le cochon tout est bon, vous le savez. Donc le boudin, par principe, ça vaut pas cher. 6,79€ le kilo, c'est vraiment pas cher pour une portion de viande, hein, mais ne rigolez pas. C'est pas très glamour, quoi. Oui, c'est pas très glamour, mais avec des pommes, fruits que vous faites poêler, ça va remarquablement bien. Alors Cassandre, je vois bien que je suis pas près de l'inviter. Vous êtes végétarienne, Cassandre? Non, mais le boudin. Ça vous écœure? Oui, le boudin blanc, c'est bon. Mais qu'est-ce qui vous écœure? Le fait de savoir que c'est du sang ou c'est l'aspect? Ah, c'est vraiment le goût. Le goût, j'en ai déjà vomi, quoi. Ah, oui. Alors, est-ce que vous aimez le fromage?
Oh oui, pas tellement. Non plus. Je crois que je fais un carton plein avec Cassandre pour le moment, on peut le dire. Là, les promotions que vous faites, je comprends pourquoi c'est en solde, tout ça, personne n'en mange. Le Roquefort Papillon, est-ce que vous connaissez? Oui. Alors, c'est l'un des meilleurs roqueforts, à mon avis. Et donc, c'est très rare de le voir. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il a une partie verte. Vous savez que ce qui donne le goût dans le roquefort, c'est la moisissure, puisqu'il faut quand même appeler un chat. Le vert du roquefort qui donne son goût, c'est de la moisissure. C'est un champignon qui s'est développé. Et donc, 16,50 € pour du papillon, honnêtement, c'est pas très cher du tout. Parce qu'en général, je vois Hervé Pouchol qui opine du chef, qui a le prix du papillon en tête. C'est vraiment une bonne affaire, 16,50 €. Et puis, tiens, pour réconcilier tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous diriez d'un petit verre de guignolet? Vous connaissez le guignolet? Les Kirsch. Exactement. C'est rare qu'on en trouve dans les prospectus. Eh bien, je vous en ai trouvé un chez Aldi. Personne n'a dit Aldi, mais ça sera une bonne occasion. Ça vaut vraiment pas cher. Oui. 6,99 € le litre. Ils n'ont pas dit Aldi parce qu'on leur avait dit, comme dans le sketch des Inconnus, tu m'avais dit de ne pas dire Aldi. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le guignolet? Eh ben, c'est de la cerise en fait. Hein. C'est un alcool qui est fait avec de la cerise. Bon. Alors là, je vois Hervé Pouchol qui fait la moue, qui n'aime pas ça du tout. Et pourtant, du roquefort et du guignolet iraient très bien ensemble parce que le roquefort se marie très bien avec les boissons un peu sucré, comme le Sauterne ou le Rivesaltes, par exemple. Hervé, il préfère prendre du roquefort avec le guignolo. Ça va beaucoup mieux. Non, bon. Une petite salade d'endives au roquefort avec des noix, c'est merci, délicieux. Mais vous avez raison. Et bien, vous irez acheter vos endives chez Intermarché. Elles sont à 1,89 € le kilo ce week-end. C'est rare que les endives passent en dessous de 2 € le kilo. Cassandre, vous qui êtes étudiante et qui faites des soirées infirmières qui sont les plus prisées sur tous les campus, qu'est-ce que vous prenez, vous? Pas du guignolet? Vous aimez bien boire quoi? Le vin blanc. Ah, vous, en soirée étudiante, on prend un verre de vin blanc le soir? Moi, oui. Non, mais ça revient. Attention, le vin blanc est en train. J'ai parlé, moi, avec un viticulteur qui me dit que le gros marché, le rosé étant saturé, le rouge étant un peu passé, le gros marché de demain, c'est le blanc, dont ils veulent en faire, justement, un verre haut de gamme que l'on pourrait prendre le soir. Ce qui est sûr, c'est que le rouge est en train de descendre petit à petit dans notre consommation, tout simplement parce qu'on boit de moins en moins de vin à table. Et là, j'imagine, Cassandre, que c'est du vin apéritif, du vin social, un verre que vous prenez entre amis. Et effectivement, dans ces cas-là, on prend assez rarement un verre de vin rouge. Elle vous dit oui parce qu'elle a la famille qui écoute, mais c'est pas du tout pas exceptionnel. Elle en prend dès le déjeuner, je vous le dis. Moi. Allez, on va s'occuper de tous ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça peut vous arriver. Opération auditeur téléspectateur. Ça démarre dans une seconde. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Notre ami Arthur dit souvent « le vendredi, tout est permis ». Il a bien raison. Il doit s'inspirer de notre émission du matin où il y a un ton un peu léger. Mais vous allez voir que l'efficacité sera quand même de mise. Nous allons maintenant attaquer les cas de ceux qui en ont besoin. Et vous me dites, Johanna, que Astrid serait avec nous. Exactement, Astrid nous écoute. Bonjour Astrid. Bonjour Julien, bonjour l'équipe. C'est la vache en résine qui fait son comeback. Alors, il y a une mode, on le rappelle, de ces grands animaux qu'on met dans le jardin. Vous avez peut-être vu ça chez des voisins, etc. Des girafes, des vaches multicolores. Et il y a un monsieur qu'on n'arrête pas d'appeler, le pauvre, parce qu'il ne livre pas en temps et en heure. C'est ce qui lui arrivait à Astrid. Astrid, elle avait acheté cette vache 1 550 € pour son mari, cette vache en résine multicolore, et elle ne l'a jamais reçue. Et depuis, il y a eu moult rebondissements. Ah oui, son mari a divorcé quand il a su que c'était pour lui le cadeau. Non, je plaisante, c'est très très joli tout ça. Alors Bernard, on connaît bien ce monsieur qui a deux sociétés qui nous répond à chaque fois. Je tiens à le dire, il ne se cache jamais, il est embêté, je ne sais pas ce qui se passe, il n'arrive pas à livrer, mais il nous répond toujours. Qu'avait-il dit la dernière fois, Astrid? Donc c'était Le Maire Décoration dans un premier temps, qui est devenu Muzzano.com. C'est un site internet où il vendait ses vaches en question. Le problème, c'est qu'il a un souci avec son transporteur. Le transporteur, le noir, avec qui il est en litige pour d'autres raisons. Et donc automatiquement, ce transporteur a bien la vache en sa possession, mais il ne veut pas la livrer donc à notre amie présente ici, Astrid. Donc aujourd'hui, il fallait qu'on obtienne le remboursement. Alors plusieurs choses. Déjà, Astrid n'est pas du tout présente ici avec nous, mais peu importe. Avec son esprit. Pardon. Quand vous entendez des gens qui parlent avec une voix de téléphone comme ça, il faut que ça soit tout de suite un indice pour vous, c'est qu'ils sont loin. Peu de gens ont une voix téléphonique comme ça. Alors Astrid, est-ce qu'il y a eu du nouveau suite à l'intervention de l'émission? Oui Astrid, je vous écoute. Julien, je vous entends très mal, j'ai deux lignes en fait. Ah, très bien, prenez celle sur laquelle je suis. Alors Astrid, vous m'entendez là? À peu près. Alors attendez, je ne sais pas comment vous le dire... Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'émission, Astrid, s'il vous plaît? Alors, depuis la dernière émission, j'ai reçu un mail de Muzzano qui me promet de m'envoyer, de me virer donc, la somme
sous 10 jours. Oui. Et donc, ça fait maintenant 13 jours et je n'ai toujours rien reçu. Bon, eh Bernard, il va falloir essayer de l'appeler. Ce monsieur, moi, je l'aime beaucoup, il est sympa, il nous parle, mais il faut qu'il comprenne qu'à un moment donné, les gens... c'est compliqué parce que, d'un autre côté, voilà, j'ai pas vraiment envie de l'appeler pour lui dire « oh, ça fait que 13 jours, comprenez Astrid », mais... Ça fait 4 fois qu'on l'appelle pour des non-livraisons. Oui, monsieur Courbet, ouais. On va la payer. Et puis, c'est ça qui est un peu embêtant. Hein. Astrid, elle a commandé en octobre 2023. Mmh. Donc là, ça sent vraiment la bouse. Ça ne va pas du tout. Bouse, parce qu'une vache, c'était mon petit jeu de mots. Ouais. Non, c'est pas sérieux, si vous voulez. Non, mais il ne donne pas une image convenable de sa société. Non, parce qu'autant, il peut avoir un problème avec un fournisseur pour la vache. Mais là, si le vous voulez. Non, mais voilà. On a vu précédemment une girafe. La livraison, c'était apocalyptique parce que le camion n'arrivait pas jusqu'au chemin. Là, cette vache, elle était là, elle n'est plus là. On doit rembourser, ça ne vient pas. Non, là, il faut qu'il fasse montre de bonne foi et que ce soit un virement aujourd'hui. Sinon, ça va finir en justice. Bon. Bernard, vous essayez de l'appeler, vous me faites une alerte. Je vais le rappeler. Ouais, je pense qu'il nous a pris pour des jambons, donc je vais le rappeler de suite. Avec les vaches, c'est le salon de l'agriculture, mais bon, il est dans la bouse, le jambon. Oui, mais il n'y a pas de jambon dans la vache. Si. Non, dans le cochon. Ah oui, mais alors pourquoi il dit le jambon puisqu'on parle parce qu'il est très approximatif quand même. Et puis... en plus, il n'en mange pas. Alors, si vous le voulez bien, appelez-le et vous nous le passez dès que vous l'avez, d'accord? Oui, sans problème. Je vais vous présenter Patrick parce qu'il fait le discret, mais vous allez voir que ce n'est pas le dernier, Patrick. Hein. Quand va arriver l'heure de la queue-leu-leu dans le studio, à mon avis, il sera en tête. Ça va, Patrick? Ça va, impeccable. Alors, vous arrivez d'où, Patrick? Moi, de Guipry-Messec, dans le 35. Et merci à Patrick qui nous a amené des petites viennoiseries de chez lui, hein, c'est ça? Ah ouais, de chez Clément. Alors, d'un magasin près de chez vous, qui est connu pour la boulangerie. Excusez-moi si je ne connais pas la boulangerie de Guy Prémessa. Si je connais toutes les boulangeries, vous êtes exigeant, madame de France. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette boulangerie? Elle est top. Il fait du bon pain. Oui. Et des bons gâteaux. Et des bons gâteaux. Et de la bonne viennerie. Merci de nous avoir amené ça. Moi, je n'en ai pas vu la couleur. Contrairement aux trois autres qui sont venus, les mains vides. Non, je vous plaisante, merci. Qui va s'occuper de lui? C'est vous, Hervé. Oui, c'est moi. Je viens de découvrir le programme. Et Je viens de découvrir le programme. Il s'est pas levé ce matin. C'est-à-dire qu'il arrive, il y a une ouvreuse, il faut le savoir. Dans le studio, demandez le programme. Voilà. Je reprendrai un, s'il vous plaît. Il le feuillette. Je vais m'occuper d'un cas, dis donc. Bon, alors. Je pensais pas que c'était celui-là. Mais si, alors, que les choses soient claires. Nous adorons les animaux ici. D'ailleurs, il y a une cagnotte. Je le rappelle, c'est la cagnotte de Suzy Handicap, une dame avec des bénévoles qui récupère des animaux qui ont été tellement maltraités, mais qui ont vécu l'enfer et l'horreur, pattes arrachées, reins brisés. Et plutôt que les euthanasier, ce que ferait tout le monde, elle les garde, elle les soigne, vétérinaire, opération, elle leur achète des petits chariots, ça demande beaucoup de sous et on s'est promis de lui fabriquer une salle où elle pourrait soigner les animaux, voire les opérer. Parce que quand vous avez des vaches, des chiens, des chats, il faut les emmener chez le véto. Elle ne peut pas, elle n'a pas de camion. Donc, vous allez sur la page Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et en haut, vous avez le lien, vous cliquez, là, vous donnez 5 euros, 3 euros. Chacun donne. Il y en a qui ont donné 100, tant mieux. Mais vous n'êtes pas obligé, au moins, participer pour sauver ces bêtes et qu'ils aient le droit à quelques années de bonheur. Vous avez des animaux, Cassandre? Je suis famille d'accueil. On va en parler tout à l'heure. Donc, tout ça pour dire que Patrick, lui, il a un voisin qui a des chiens qui sont méchants. Et je suis le premier à dire, quand on a des chiens, on les surveille. Voilà, c'est pas parce qu'on aime les chiens qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a des gens à la plage qui les lâchent. Au contraire. Eh bien, lui, il a été victime de ça. Sa femme a été attaquée. Ouais. Voilà. Heureusement que ça sert. Imaginez que ça soit pas la bonne histoire. Allez, on en parle, mesdames et messieurs. Julien Courbet. RTL. Mesdames et messieurs, nous continuons d'aider tous ceux qui en ont besoin. Ils sont 4 à avoir un cas complètement inédit. Vous le savez, il y a Ludovic, Cassandre, Patrick, Laurent. Cassandre qui, elle, alors nous expliquera que la pauvre, son nouveau téléphone défectueux, elle l'a renvoyé, mais le colis s'est perdu. Et comme on parlait de Suzy Handicap et de l'association, elle nous a expliqué qu'elle était famille d'accueil. Elle nous en a pas dit plus. Donc pour une association, pour qui? Exactement, c'est pour un avenir pour eux sur Toulouse. D'accord. Et donc je recueille souvent, c'est plus des chats. Ouais. Voilà. Et du coup, on les garde jusqu'à qu'ils se fassent adopter. Et c'est super d'être famille d'accueil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « je ne pourrais pas le garder toute l'année », mais qui peuvent dire « écoutez, moi je suis là, pendant 15 jours je ne bouge pas », et du coup, on tisse un lien avec l'animal, et beaucoup le gardent en disant « maintenant je ne peux plus m'en séparer, c'est devenu mon meilleur ami ». Essayez d'être famille d'accueil, ne serait-ce qu'un week-end, vous pouvez aussi les aider à les transporter. On va faire un peu de pub à votre asso, alors dites-nous. Du coup, l'association, c'est un avenir pour eux. Et pour les associations, en fait, ils prennent en charge les croquettes, ils prennent en charge
Les frais vétérinaires, en fait, on n'a rien à payer. D'accord. Donc un avenir pour eux, aidez-les. Ils sont sur Toulouse, c'est ça ? Sur Toulouse. Alors les vaches. La vache en résine, c'est pas vous, Bernard Sabat, mais c'est une dame qui l'a commandée, qui ne l'avait pas, et le patron qu'on a appelé a dit « je vais donner le remboursement ». Ah oui, il a demandé son RIB à Astrid, mais il tardait à rembourser. Ça fait plus octobre quand même, on peut espérer que Astrid ait gain de cause ? Oui, alors justement, elle ne l'a pas, c'est pour ça qu'elle nous a appelé. Vous faites une belle émission. Oui. Là, je dois dire que... Je faisais un petit résumé. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le. Non, c'était pour mettre Bernard sur la voie. Alors Bernard, vous avez rappelé... Je suis bien sur la voie, mais c'est une autoroute. Vous avez rappelé écoutez, j'ai eu donc le papa, Pascal Le Maire. Donc, qui est le père de Raphaël Le Maire, qui est son propriétaire de cette marque Muzzano. Et vous avez eu le père de Le Maire. D'accord. Je vous jure, c'est vrai. J'ai eu le père de Le Maire, qui s'appelle Pascal Le Maire. Il m'a dit, mon fils va vous rappeler pour vous confirmer qu'il y a un mail qui est parti qui confirme la date du virement qui va arriver prochainement. Donc, il faut qu'Astrid soit patiente. Et j'espère que Raphaël va nous rappeler. La patience, il la mesure comment? Parce que déjà, depuis le mois d'octobre, normalement, ça va bouger. Je ne sais pas si Astrid est là, mais Astrid... Elle est là. Voilà, si la semaine prochaine, il n'y a rien, là, on se permet de sortir le porte-voix, apparemment ça serait imminent. D'accord Astrid ? Entendu. Astrid, les vaches en résine, je ne pense pas qu'on va lui refaire deux fois. Non, je pense pas non plus. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, je disais que sinon, c'est vraiment un commissaire de justice qu'il faudra envoyer, parce que ça marche, donc n'hésitez pas à faire valoir vos droits si l'amiable ne fonctionne pas. On ne veut pas l'embêter, ce monsieur, mais là, il nous pousse à le rappeler à chaque fois. Je suis assez confiant pour un paiement la semaine prochaine. Merci Astrid, à bientôt. Merci Julien. Et si vous avez une bonne viennoiserie achetée, Astrid, chez qui elle va déjà, monsieur ? Je suis Clément. Vous habitez où, Astrid ? Ah, en Gironde. Voilà, mais c'est à 500 km de chez vous. C'est à 5 heures. Pour acheter un croissant, ça vaut le coup. 5 heures de route. Exactement. Anaïs est avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour Julien. Bah voyez, Anaïs, elle entend du premier coup parce qu'elle travaille dans l'audition, ce qui veut dire que ses appareils sont bien réglés. Anaïs, un impayé et un de plus, s'il vous plaît. Vous nous résumez ça, ma chère Linda. Oui, elle est donc audioprothésiste et en octobre, elle a effectué 5 prestations au sein d'un magasin pour un total de 2250 euros et elle tardait à être réglée de ses prestations. Et alors, 4 mois maintenant. J'ai peur d'être très inquiet dans ce dossier parce qu'on avait eu ce monsieur qui nous a dit « je suis en rendez-vous », etc. On a essayé de le rappeler, je ne sais plus qui était sur le coup. C'était impossible moi. De l'avoir dans l'après-midi alors que c'est un opticien, hein, c'est ça Hervé ? Oui, bah, c'est-à-dire que ce monsieur m'avait persuadé qu'il allait me rappeler l'après-midi. J'ai attendu l'après-midi. J'ai même attendu le soir son coup de fil. Il n'est jamais arrivé, le coup de fil. Est-ce que ça a bougé, Anaïs ? Alors moi, de mon côté, j'ai rien reçu. Ouais, ni appel, ni mail, ni message. Alors, c'est grave. Hein. Et là, on va le rappeler parce que ce monsieur, moi, je ne suis pas là pour lui faire de la mauvaise publicité, non. Mais il fait travailler cette jeune femme. Il ne la paie pas. Il a son propre magasin. On l'appelle, il nous dit « je suis en réunion, je vous rappelle cet après-midi » et après, il ne parle plus à personne. Donc, ça veut dire qu'on pourrait penser qu'il y a une petite démarche pour ne pas la payer. Oui, alors moi, ce qui m'embête beaucoup aussi, c'est qu'on est tout de même sur Nadine. Un magasin... Nadine, ne quittez pas. Nadine, bonjour. Nadine. Oui, il nous a reconnu, Nadine. Bah, lui aussi, il travaille dans l'audition, le Nadine. Il a reconnu la voix tout de suite, croyez-moi. Il n'est pas bête. Les magasins d'optique et d'audition sont souvent couplés, d'ailleurs, désormais. C'est tout de même des magasins qui fonctionnent bien. On est quand même sur un marché, Olivier pourrait me le confirmer, qui est quand même porteur. Donc, voilà. Donc, je suis quand même assez étonnée. Ce qui m'exaspère, c'est qu'une fois encore, on a quelqu'un qui a travaillé, qui a fait sa prestation et qui n'est pas payé. Moi, je le redis, parce que c'est l'expérience que j'ai vécue il y a quelques mois. Si là, ce Nadine, il ne nous répond pas et il ne la règle pas, il faut absolument qu'elle aille voir son huissier pour faire exécuter, parce que je pense pas qu'il mettra la clé sous la porte, mais il faut le forcer, mince. Je connais quelqu'un, je vous assure que c'est vrai, je ne le conseille pas, mais voilà ce qu'il a fait, exactement le même système. Il s'est mis devant le magasin, et à chaque fois qu'un client entrait, monsieur, sachez que je travaille en tant que sous-traitant pour lui, je ne suis pas payé, donc si jamais vous commandez, moi je ne serai pas payé derrière. À la troisième fois, il est sorti, mais arrête, bon Vivien, je vais te payer. Et puis ça s'est passé comme ça. Et puis en plus, il peut pas l'empêcher de faire ça. Exactement. Bon, on l'appelle, alors on l'a eu, vous avez vu qu'il nous a raccroché au nez, on rappelle la SARL Visuel Audition, c'est à Aulnay-sous-Bois. Voilà, quand vous allez commander chez lui, dites-lui, pense avec mon argent à payer la jeune femme qui a travaillé pour toi. 39 bis avenue Anatole France. Bakar, Fadouli, Nadine, on relance l'appel juste après ceci. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, on va essayer d'appeler et lui laisser un message, mais vous êtes on est en plein là-dedans avec vous, Ludovic. Un impayé également. On va ouvrir le micro de Ludovic, comme il est là, autant le faire parler. Ça va, mon Ludovic ?
Laurent. Combien on vous doit, Laurent? Laurent. Ah, c'est pour ça qu'il répondait pas. Voilà pourquoi j'engueule la technique. Si je ne donne pas le bon prénom, donc il y a quelqu'un qui était en train d'ouvrir le micro du Dominique et qui devait dire mais il est con, j'ai ouvert. D'abord, je ne m'adresse pas à la bonne personne. C'est pour ça que le vendredi, je demande à ce qu'il y ait du personnel particulièrement qualifié parce que nous on n'est pas sur le coup. Merci et pardon à mon Seb qui avait ouvert le bon potard, comme on dit. Donc Laurent, vous, ils vous doivent combien? Alors environ 3400 euros. Mais est-ce que la boîte qui vous doit des sous est en grande difficulté? Je ne pense pas. J'imagine que vu les commentaires et vu l'activité qu'a cette personne, ça doit bien se passer pour elle, j'imagine. Qu'est-ce qu'il donne comme excuse? Eh ben, moult excuses. Je suis hospitalisé, j'ai la tête sous l'eau, j'ai pas le temps. Des problèmes qu'il y a eu sur le chantier qui ont été réglés. Enfin, plein d'excuses. Et moi, je comprends pas parce que en fait, derrière, j'ai jamais de vraie explication de pourquoi. Alors, vous me préparez pour tout à l'heure, hein, parce que là, c'était une répétition. La farandole des excuses, c'est un grand classique de l'émission. Il va nous la refaire tout à l'heure. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, des entreprises qui ne paient pas et qui continuent de bosser comme si rien n'était. Et ce qui est le pire, je suppose, et vous allez me le confirmer, Laurent, et c'est le cas pour la jeune femme, Anaïs, qui est en ligne avec nous, c'est qu'il ne vous appelle même pas. Il pourrait vous appeler en vous disant « j'ai des problèmes ». Sois sympa, Laurent, est-ce que ça t'ennuie que je te paie en quatre fois, etc. Pour qu'une bonne fois, non, c'est le dédain, ils vous prennent même plus le téléphone. Exactement, en fait, on a des échanges parfois par SMS, ouais. Et on a déjà pris rendez-vous téléphoniquement, ou justement par SMS, je lui propose, voilà, si on a des difficultés financières, je peux comprendre, moi aussi, mon entreprise, voilà, c'est compliqué. Oui, on s'appelle demain matin, je suis en rendez-vous, le lendemain matin, j'appelle, je rappelle, je suis presque au harcèlement tellement j'appelle. Je reçois un SMS dans la foulée, le nom d'appel c'est peut-être un petit peu trop, et en fait silence radio. Et plus rien. Et en fait, voilà, écoutez, c'est compliqué. Il m'a l'air désemparé, Laurent, faut vraiment l'aider. On va l'aider, comptez sur moi. Déjà, peut-être pour l'apaiser un peu, je vais demander à notre assistante réalisatrice d'aller lui chercher une viennoiserie qui vient de chez... Clément, qui se trouve à... Guy Primessard. Les meilleures viennoiseries. Bah, il a intérêt à vous faire cadeau le pain pendant un mois, hein, parce que jamais il a eu de la publicité comme ça. On s'occupe de vous, ne vous inquiétez pas. Retour sur l'opticien. Julien Courbet sur RTL. On n'aime pas quand ça se passe comme ça parce que, encore une fois, une boîte a le droit d'avoir des difficultés de trésorerie. Évidemment, les clients le comprennent, les fournisseurs le comprennent. Ce qu'on n'aime pas, c'est le dédain. Quand on se moque de vous, et cette jeune femme, donc elle a travaillé pour un opticien qui a pignon sur rue, visual, audition à Aulnay-sous-Bois, et elle n'est pas payée. 5 prestations, hein, Anaïs a effectué 5 prestations pour un total de 2250 euros. Elle a relancé à de nombreuses reprises, mais rien n'arrive sur son compte. Et au moins qu'il ait le courage de lui dire « je ne te paierai pas », etc. Mais il lui dit rien, et là il a reconnu ma voix, il a raccroché au nez, on lui laisse un message à Hervé Pouchol pour qu'il sache qu'on est en train de faire l'émission. Et j'ai relu les messages et sincèrement, il est vraiment de mauvaise foi. Alors, ce monsieur, relisez-les. Parce qu'il a absolument toutes les informations. Non, mais c'est surtout moi qui lui écrit pour le. C'est vous qui lui écrivez et vous avez deviné qu'il était de mauvaise foi alors qu'il ne vous a pas répondu. Parce qu'il m'a répondu deux ou trois fois en me disant qu'on s'était trompé d'adresse. Ah, oui. Et puis finalement, il connaissait le dossier. Écrivez-moi ensuite. Vous avez raison de le dire. Vraiment, en plein dedans. Ouais. Vous vous êtes trompé d'adresse. Ouais. C'est pas la bonne personne. Laissez-moi tranquille. Ouais. Puis finalement, vous insistez. Non, mais vous ne savez pas tout sur cette affaire. Eh bien, le commissaire de justice, lui, se ne trompera pas d'adresse et il ira chercher ses prestations qui sont dues depuis le mois d'octobre 2023. Ça me met hors de moi et on en reparlera avec vous. Ça me met hors de moi ces gens qui font travailler, qui se font du gras parce que on l'a dit tout à l'heure, on le redit et c'est tant mieux que les audioprothèses ça cartonne avec en plus couplé à un opticien. On paye ses dettes, mince. Les jeunes, en plus, elles démarrent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas comme si elles s'attaquaient, c'est pas comme si ils faisaient le coup à Essilor. Là, c'est une jeune. Non, mais c'est vrai, voilà, qui a 500 000 euros, peut-être, de trésorerie. Elle a là sa petite boîte, ça compte pour elle, cet argent-là. Allez, on lui laisse un message. C'est parti, s'il vous plaît. Anaïs est toujours là ? Toujours là. Bon, allez Anaïs, on va tout faire pour vous aider. Je l'avais dit, mais je le redis, on va finir par aller organiser... Un petit duplex. Non, un petit sitting, mais gentiment, sans agressivité. Calme. Ça serait sympa, on arrive tous, on se met sur le trottoir. Une guitare, on va trouver un guitariste. Et puis on va lui chanter une petite... On lui fait du pipeau. Ben oui, pas mal aussi ça. Mmh. Alors on lui laisse un message à la SARL Visuel Audition. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Voilà, ça, c'est pas possible. Veuillez réessayer ultérieurement. Alors, il nous faut maintenant, on va demander à celui qui organise tout ceci, à Stan, il faut qu'un envoyé spécial aille là-bas. Mais maintenant, vous allez prendre un huissier. Ouais. Alors, écoutez bien exactement la démarche à suivre. Nous, on continue en parallèle avec SARL Visuel Audition, Bakar Fadouli Nadjin, à Aulnay-sous-Bois, avenue Anatole France, au 39 bis.
Appelez-nous si vous voulez nous donner votre vérité, vous aurez le temps qu'il faudra. Mais là, on a tout essayé pour avoir une parole de votre part, on l'a pas eu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Anaïs, vous prenez les contrats qui vous lient à cet homme-là, par lesquels il était prévu que vos prestations soient faites. Vous prenez vos factures, vous allez chez un commissaire de justice, puisqu'on dit comme ça maintenant, on appelle plus ça un huissier, mais que pour que tout le monde comprenne. Et avec cela, eh bien, il va se rendre chez cet homme-là pour lui faire une sommation de payer. Et il mettra le coup, parce qu'il va vous en coûter évidemment 100, 130 euros, peut-être 150, je ne sais pas. Et il vous aurait le remboursement de tout, mais il ne le lâchera pas. Bon, on fait ça et on se tient au courant, peut-être qu'Hervé l'aura d'ici quelques minutes. On va partir sur une autre promotion le samedi, vous le savez, le jour des courses, il vous le dit. Et j'espère que vous ne faites pas comme ça. Il ne faut jamais aller faire les courses avec une liste. Qui fait les courses ? Dites-moi dans le studio avec une liste bien établie. C'est vous ? Oui. Eh bien, c'est une bêtise. Et pourquoi c'est une bêtise ? Ben, c'est une bêtise parce que vous êtes enfermé sur ce que vous aviez prévu d'acheter et vous n'êtes donc par principe pas ouvert aux bonnes affaires que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Je reprends toujours cet exemple. Si vous avez marqué saumon sur votre liste de courses pour du poisson et que la dorade est en promotion, comme souvent, à 6 ou 7 euros le kilo, ben c'est dommage de ne pas acheter de la dorade et d'acheter du saumon, tout simplement. Bon, c'est pas, on ne vous fâche pas. Hein. C'est un bon, vous l'avez donné sur un tour, quand même. On s'est dit, à un moment donné, il va se lever, il va lui en mettre une. Il fait ses courses comme il veut. Alors, juste une seule promo, c'est... Attendez, on est à l'Intermarché de... Gif-sur-Yvette. De Gif-sur-Yvette, et à la caisse centrale, il y a la dame qui fait les annonces, qui est folle amoureuse de lui. Les filles, devinez qui va venir nous voir dans le magasin pour parler des promotions. C'est Olivier Dauvert. Il est beau, Olivier. De quoi va-t-il parler ? C'est la dernière ligne droite pour profiter des grandes promos, vous savez, sur la lessive, sur les couches culottes, sur le savon, sur les produits d'hygiène et de beauté plus généralement, puisque le 29 février, c'est jeudi de la semaine prochaine, ça sera terminé, cette loi qui va interdire les méga-promotions. Et vous avez une enseigne qui a décidé de le dramatiser plus que les autres, c'est Carrefour qui a en ce moment un prospectus qui s'appelle le grand stockage. Je vous le fais comme ils l'ont écrit. C'est écrit comme ça. Avec sur plein le prospectus. De A. Oui, avec plein de A. Et donc, quand vous arrivez en magasin, vous avez des montagnes de couches culottes. J'y suis encore allé hier. Et c'est vrai que c'est très, très frappant. C'est la dernière occasion d'acheter des Pampers à moins 80 ou moins 90% si vous avez l'application Carrefour. Vous avez de la lessive. Et bref, le 1er mars, ça sera terminé. Je connais des consommateurs et des consommatrices qui en ont mis plein le garage. C'est assez fascinant parce que, de fait, oui, ça va coûter plus cher à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, dernière ligne droite. Ludovic, ça l'intéresse. Combien vous avez d'enfants, Ludovic ? Deux enfants, mais c'est Laurent. Ah, c'est Laurent, pardon. Et Ludovic ? Mais combien vous en avez ? Quatre. Ben voilà. Vous imaginez, il a quel âge ? 32 ans. Ouais. Et alors, ils ont quel âge et quel âge, les quatre ? 14 ans, 12 ans, 10 ans et 8 mois. 14 ans ? Allez donc, hein. Quelle santé ! Wow. Voyons par la pharmacie, à mon avis, prendre la Juvamine. Bon, on va l'aider dans quelques instants. Produit quand même. Oui, il a du mal à se faire rembourser 1200 euros par un géant mondial du e-commerce qui lui doit cet argent. Même les géants ne paient pas. Et vous allez voir que les géants, quand on les appelle, j'espère vous le démontrer, au moins ils réagissent concernant, contrairement à SRL Visuel Audition. Allez, on fait avancer tous les dossiers, puis on va jouer un petit peu aussi pour apprendre des choses et pour apprendre à se défendre. Merci de suivre ce Ça peut vous arriver. RTL. Allez, nous continuons à vous aider, si ça peut vous arriver. Le vendredi est un jour un peu particulier. On m'annonce une alerte à l'instant. Que se passe-t-il, s'il vous plaît ? Julien, vous vous rappelez qu'on avait donc le problème de la vache avec Astrid ? Oui. Bah écoutez, je viens de recevoir un texto du grand patron. Alors attendez, je ne sais pas si Astrid est là, on va demander à Johanna, Becker, ma Becker. Est-ce que quelqu'un, est-ce que vous l'avez récupéré ? Astrid est là. Alors, nous venons de recevoir un texto apparemment du monsieur qui doit vous rembourser la vache en résine. Allez-y Bernard. Bonjour, je suis actuellement en rendez-vous, mais je peux vous parler en fin d'après-midi. Nous avons informé la cliente en fin de matinée que son remboursement serait effectué ce jour par mail. Je reste éventuellement à sa disposition dès demain. Si elle souhaite me parler, signé Muzzano France, monsieur Raphaël Le Maire. Est-ce que vous aviez eu un mail et il date de quand pour vous, madame ? Alors, je viens de recevoir un mail à l'instant. Ah, bah voilà. Mais qui me dit, alors il me parle pas du tout aujourd'hui, hein, d'aujourd'hui. Il me dit, je vais vous trouver ça. Il me dit, nous allons procéder au remboursement dans les jours qui viennent. Oui, c'est la semaine prochaine. Hein. Là, moi, je ne veux pas l'embêter, ce monsieur, mais si la semaine prochaine, il ne l'a pas fait, c'est que vraiment, là,
Moi, il me l'a écrit ce jour. Hein. Donc, en l'occurrence, en parlant d'aujourd'hui, vendredi, donc je pense qu'il va le faire. Ah, on le vérifiera lundi ou mardi. Ce qui est embêtant, c'est qu'il vous dit à vous ce jour et elle, elle dit dans quelques jours, c'est ça ? Oui, moi, il ne m'a pas du tout dit ce jour. Hein. Et puis là, il vient de m'en envoyer un à moi en disant dans quelques années. Ah, vous en avez un vous-même ? J'en ai reçu un. Qui oui, dit quoi dans quelques années ? Quand j'aurai eu 30 ans. Voilà, très bien. Qui aura 30 ans ? Moi. D'accord. Erlinda, bon, elle est magnifique. Non, c'est Fraulein, Herr, Fraulein. Monsieur, je n'ai pas encore changé de genre. Quelqu'un parle allemand couramment, parmi vous quatre Qui parle une langue étrangère? Est-ce que vous parlez une langue étrangère? Les Alsaciens, quand même. Pas du tout, non. Non, non. Ah bon, vous non plus, Ludovic? Un petit peu, vite fait. Lequel, vite fait? L'Alsacien. Alors, allez-y, dites-moi un petit quelque chose en Alsacien, ce que vous voulez. Pas d'idée là maintenant tout de suite. Ah oui, ça ressemble beaucoup au français. Voilà. J'ai pas d'idée, ça se dit aussi comme ça en français. Mais c'est marrant. Oh, ben, voyez l'Alsacien comme quoi, des fois on se prend la tête. Bernard. Bon, on lui fait confiance quand même, on lui laisse 48 heures. Évidemment, ouais. Non. Bien sûr qu'on lui fait confiance. Avançons. Dites-moi, Johanna. On accueille Jonathan. Jonathan, bonjour Jonathan, vous m'entendez? Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Hein, on rappelle qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Jonathan. Allez, on y va. Vous avez payé 720 euros. Ça intéresse Cassandre, ce que vous nous dites, parce qu'elle a un problème aussi de téléphone. Qu'est-ce qui lui arrive, s'il vous plaît? Jonathan, il avait réglé 1240 euros pour un téléphone et une tablette. Il n'avait reçu que la tablette, pas le téléphone. Et en plus, on le menaçait de poursuite. Ça, c'est dingue. Ça. On s'en était aperçu, on en a parlé beaucoup, Olivier Dauvert, sur cette façon qu'ont les sociétés parfois de traiter le client. C'est la double peine. Vous avez mal fait le boulot, vous n'avez pas livré, et lui, comme il se plaint, on lui dit continue à te plaindre et on va te coller les avocats où je pense, c'est ça. Hein. On est dans un véritable rapport de force alors que par principe le commerce c'est un rapport de confiance et ça peut pas bien se marier ensemble, rapport de force et rapport de confiance. Que s'est-il passé alors depuis l'émission? Qui avait appelé? C'est vous Bernard? C'est moi Julien, vous rappelez, je vous avais interpellé vendredi en vous disant moi j'ai confiance en Daniel Margato. Ah. Il m'a dit oui, encore un nom que vous connaissez d'une personne importante. J'ai dit oui, c'est quelqu'un de sérieux et qui connaît bien les dossiers et qui va les suivre. Mais moi j'ai reçu un mail, on va voir s'il y a eu confirmation de cela, mais pour Jonathan Renaudin, après analyse du dossier, il a été décidé de rembourser ce client. Super, bravo. Jonathan, bravo. Est-ce que ça a été le cas? Alors, j'ai pas encore reçu le remboursement. Moi, j'ai reçu un appel du Samsung Shop, enfin du service Samsung, en me disant que le dossier il était réouvert. Bon, alors, alors, vous allez nous donner des nouvelles vite. Merci Samsung. Encore une fois, je vois mal quelqu'un avoir le toupet, le culot, de venir sur un plateau RTL M6 pour dire j'ai rien reçu. Et essayer de monter une arnaque, ils seraient complètement fous. Donc faites-leur confiance et surtout mettez au point un système infaillible. Vous livrez, on ouvre le colis devant le livreur, vous obligez votre transporteur à rester, on vérifie s'il y est, on donne un code, voilà, et au moins il n'y aura pas d'histoire. Oui Bernard ? Il y avait un autre cas, vous vous rappelez, c'était Antoine qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui, pour lequel cheveux, je suis... Oui. Exactement. Il s'appelle Antoine Traîneau. Donc le dossier donc traîne encore évidemment chez Samsung Shop. J'ai une réponse officielle toujours de Daniel Margato qui me dit pour le cas d'Antoine, le dossier est toujours en cours chez nous, beaucoup plus complexe. Une décision devrait être prise cette semaine, bien à vous. C'était une pour le c'est à la cellule fraude Julien que pour l'instant est bloqué. D'accord, dossier. OK. Bon ben alors vous me tenez au courant Jonathan ? Oui, il n'y a pas de problème, je vous tiens au courant. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Jonathan Renaudin, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes quincailler, ça fait nom de quincaillerie. Non, je suis plombier, non. Tu l'as acheté où, ton Renaudin? Bah, va chez Renaudin. Non, mais c'est vrai. Bon, merci, Jonathan. Encore une blague ratée. Sur quoi va-t-on aller? Peut-être une promotion et après, on va attaquer le premier lequel des deux. Oui, mais là, pas tout de suite, on peut pas. Ah ben, je vais vous poser une petite question à tous. D'après vous, quel a été le livre le plus vendu en France l'année dernière? Astérix. Une question conso. Astérix. Absolument. Quel est le deuxième livre le plus vendu? Alors là... Je vais vous donner les chiffres après. C'est une bande dessinée ? Eh oui, ça illustre bien ça. Gaston Lagaffe. Non. Le retour de Gaston Astérix a été vendu en gros à 1,5 million d'exemplaires. Mais c'est Gaston des millions de royalties. Mais c'est fascinant. Gaston Lagaffe, à peu près 500 000 exemplaires. Deuxième produit le plus vendu et le troisième ? Je sais pas. Le Goncourt. Le Goncourt. Absolument, le prix Goncourt. Veillez sur elle, qui a été vendu à 450 000 exemplaires à peu près. Ça veut dire quand même qu'on est beaucoup plus attiré par les bandes dessinées que l'on est par les vrais livres. Je mets vrais entre guillemets, parce qu'une bande dessinée est un ouvrage. Mais quand même, ça dit beaucoup de notre rapport à la lecture. Un jour, vous nous donnerez les chiffres, parce que les gens, à chaque fois, alors, s'extasient ou se plaignent des salaires des footballeurs, des tennisman, des chanteurs. On dit ça a généré tant de millions.
Mais je vous assure que si on savait, et tant mieux, hein, c'est pas une critique, alors c'est super qu'ils gagnent de l'argent, mais si on savait combien ça rapportait aux auteurs et à l'éditeur, à Astérix et compagnie, vous allez voir qu'on n'est pas loin des énormes chiffres dont on et parle. Dans ces cas-là, et dans ces cas-là, et dans ces cas-là, ouais, et dans ces cas-là, aux ayants droit aussi, puisqu'évidemment, il y a des héritiers de ces créateurs-là, puisque Uderzo, par exemple, est décédé, pour Gaston Lagaffe aussi, et d'ailleurs, son héritière a longtemps refusé que ça soit exploité parce que l'auteur avait dit qu'il ne le voulait pas après sa mort. Hergé, par exemple, c'est pour ça qu'il n'y a plus eu de Tintin. Et ils ont tenu bon. Et ils ont tenu bon. Dans le cas d'Hergé, vous ne connaissez pas de nouvel album de Tintin, alors que régulièrement, vous avez un Astérix, un Blake et Mortimer, par exemple. Voilà, Tintin, c'est, il est vraiment décédé avec son créateur. Bon, merci pour cette info. Alors attention, dans quelques instants, lequel des deux, il va y avoir de la montre RTL à gagner et surtout, on va apprendre des tas de choses. Et puis, on a quatre cas à régler, là. Laurent, Patrick, Cassandre, Ludovic, la salle des appels va faire tout ce qu'il faut pour tenter maintenant de faire avancer leur dossier pour nous joindre. Ça peut vous arriver à @m6.fr. Julien Courbet sur RTL. Mesdames et messieurs, il est grand temps d'apprendre des tas de choses sur les étiquettes, car c'est ça l'émission anti-arnaque également, avec Olivier Dauvert, et là c'est vous qui allez jouer les uns et les autres. Alors attention, répondez bien à la question à tour de rôle. Nous démarrons par Laurent, voici le lequel des deux. Question pour Laurent. Laurent, j'ai des kiwis dans les mains, j'ai à ma gauche un kiwi vert, à ma droite un kiwi jaune. D'après vous, lequel des deux est français le plus souvent ? Le vert ou le jaune ? À votre avis, s'il vous plaît, Laurent. Je dirais le vert. Le vert serait plus français que le jaune. La bonne réponse était... Petit jingle. La bonne réponse était effectivement le vert qui est le plus souvent français, parce que le jaune, savez-vous d'où il vient souvent ? Nouvelle-Zélande ? Alors non, c'est à contre-saison. C'est quand on n'en produit pas en France qu'il vient de Nouvelle-Zélande. Par contre, quand on en produit du vert en France, on reste dans l'hémisphère et le jaune est souvent italien parce qu'on n'en produit pas assez, tout simplement. La consommation du jaune est en train de progresser et donc on les fait venir d'Italie. Le vert est plus souvent français. Voilà. Grand consommateur, Hervé Pouchol, qui bien souvent, je l'entends dire, tiens, remets-moi un petit vert parce qu'il préfère celui-ci. Alors que Bernard Sabat dit souvent, tiens, moi, je vais prendre un petit jaune. Exactement. Ben, oui, c'est comme ça. Eh bien, il marque son point alors. Absolument. Ludovic et des notes. Non, pardon. Laurent est des nôtres, il marque son point comme les autres. À vous Ludovic, attention, voici la question. En parlant de petit jaune, j'ai du sirop de citron de la même marque, Paquito, c'est la marque de distributeur d'Intermarché. J'ai du sirop classique fait au sucre et j'ai du sirop qui est fait sans sucre, c'est d'ailleurs marqué dessus, 0% de sucre. D'après vous, quel est le moins cher des deux, avec ou sans sucre ? Ludovic. Le moins cher, je dirais celui avec du sucre. Le moins cher des deux Paquito serait celui avec du sucre et la bonne réponse était... C'est effectivement celui avec du sucre et c'était surtout pour vous montrer l'écart de prix qu'il y a entre les deux. Ça va quasiment du simple au double. On est sur à peu près 1,50€ pour le produit classique qui est fait avec du sucre et presque 3€ pour le produit sans sucre. Pourquoi ? Parce qu'on vous fait payer tout simplement le fait de vous alléger le produit. On en revient à quelque chose que j'évoque souvent, le prix du sang. Il y en a moins, il n'y a pas de sucre, mais ça vaut plus cher. Et en tout cas, c'est la, sachez-le, la boisson préférée des Gypsy Kings, Paquito. Mais c'est mais vraiment. Hein, c'est de qui le. C'est la marque de distributeur d'Intermarché. Ah, Paquito. Mince, et ça, voilà. D'accord. Et voilà, puisqu'Intermarché est la seule enseigne ou presque à avoir des véritables Paquito. Marques. Lorsque Carrefour, ça s'appelle Carrefour, Auchan, ça s'appelle Auchan, ben Intermarché s'appelle Paquito pour les boissons, Pâturage sur les produits laitiers, Bouton d'Or pour l'huile, etc. etc. Et dites-moi, est-ce que c'est Tesser qui est toujours le leader ou pas du Tesser tout Tesser est toujours la marque leader, bien évidemment, mais on est là. Typiquement sur le marché du sirop, sur un marché où les marques de distributeurs sont très importantes, tout simplement parce que c'est un produit que vous ne servez pas comme ça. Il est dilué, donc on se dit, bah, ça va faire pareil. Voilà. Pour parler de Paquito, Hervé Pouillot. Non, il y avait une marque qui était très connue, spécialisée dans le citron, c'était Pulco. Ah oui. Ça existe encore, Pulco. La différence, c'est que ce n'est pas tout à fait le même produit. Ça, c'est des sirops, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sucre. Pulco, c'est une boisson à diluer dans de moindres proportions, parce qu'à la base, c'est moins sucré Pulco que ne l'est le sirop classique de citron. Ah, mais moi, une fois, je m'étais trompé, j'avais bu du Pulco pur. Ah non, ça, sans le mélanger, je peux vous dire. Ça pique. J'ai pas pris d'antibiotiques pendant 2 ans. Hein. J'étais immunisé. Ça a nettoyé le conduit, mais complètement. Il faut voir comme. Cassandre, c'est à vous, attention. Question. Une question spéciale nourriture pour chat, puisque Cassandre est famille d'accueil et elle aime bien les animaux. J'ai deux produits qui sont pour des chats, c'est des terrines. Alors une terrine de lapin simple, c'est un produit premier prix de chez Carrefour que j'ai payé 35 centimes la barquette de 100 grammes. Et puis j'ai une marque très connue qui s'appelle Gourmet, qui est aussi une terrine au lapin, dans laquelle il y a très exactement 85 grammes. Et je l'ai payé 60 centimes, c'est-à-dire presque le double. Ma question est... Dans lequel des deux il y a le plus de lapins ?
puisque ce sont deux terrines au lapin. Allez, c'est parti. Réponse avec vous, s'il vous plaît, Cassandre. Gourmet ou simple? Je vais dire simple. Elle dit simple. La bonne réponse était... Eh bien, il y a la même quantité de lapin dans les deux, parce que je vais vous apprendre quelque chose. Pour qu'un produit soit terrine au lapin ou terrine au bœuf... Ça marche pas, votre question. Mais si, puisqu'elle n'a pas répondu bien, tout simplement. Elle aurait dû dire que c'était la même chose. Voilà. Moi, je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord avec Cyril. Vous êtes pas d'accord. Ben, je veux quand même vous expliquer un truc, c'est que pour avoir le droit à l'appellation terrine au lapin, terrine au bœuf, il faut mettre au minimum 4% de ce produit-là. Et donc, c'est pas la peine d'en mettre plus parce que sinon, vous dépensez de l'argent dedans sans pouvoir plus le valoriser. Alors, puisque dans les deux cas, ça s'appelle terrine au lapin. Réponse intéressante, mais je valide, moi, la réponse de Cassandre. Mais finale. Non, mais c'est A ou B. À chaque fois, vous dites aucun des deux. Vous ne l'avez pas proposé, elle peut pas le répondre. C'est quand même malheureux. Ça fait un mois qu'on fait ce jeu, je me tue à vous dire. C'est A ou B. À chaque fois, ils nous sortent. Eh bien, croyons faire un petit effet en plus. Eh bien, c'est aucun des deux. Ben, me propose pas. Thierry Maître Moser aussi. C'est comme si un policier vous arrêtait, monsieur, vous venez de brûler le feu, vous allez payer 75 euros ou 125, vous dites, je sais pas, 120. Eh bien, aucun des deux, c'est 400. Et là, vous allez lui dire quoi au policier? Je vais vous dire un truc, j'ai compris, ça y est. Voilà. Allez, Patrick, c'est à vous de jouer, Patrick. Patrick, ouais. C'est à vous de jouer. Oui, mais j'ai... Mais regardez-moi quand je vous parle. J'avais pas envie de me regarder. Ah, si. Je sais pas, j'étais en train de lui parler. Il regardait. La farine. Vous savez quoi, il me faisait penser à la caissière centrale de Gif sur Yvette. Ouais. Oh là là, Olivier Dauvert, quand il fait des jeux, mon Dieu, on comprend rien, mais ça fait rien. Qu'est-ce que c'est sympa de dire qu'il est parti dans la réserve. Avec Thérèse, des produits ménagers, ça fait un quart d'heure qu'il est enfermé là-bas. Mesdames et messieurs. Alors, et donc j'ai une question spéciale boulangerie. Jingle. Ah, c'est pour ça. Oh mais, bon, vous pensez qu'on ne prépare pas. Alors, vous pensez qu'on ne prépare pas. Il est sûr de gagner. Alors attention, j'ai deux farines de la même marque Francine. J'ai une farine de type 45, la T45. J'ai une famille de type 80. Maintenant vous avez une famille, c'est une farine. Oui, une farine. Une farine. J'ai aussi une famille. Voilà. J'ai une famille T45. Et c'est une sacrée famille. T45. Vous touchez les APL avec une T45. Et il n'y a qu'une réponse possible, Julien, spécial dédicace. Laquelle des deux est la plus blanche? Ah. Non. Je dirais Francine Blé. Et ce sont toutes les deux des Francines de blé. C'est des Francines de blé. La T45 ou la T80? T45. Mais quel jeu catastrophique. Alors la bonne réponse était... Aucune des deux. Et la bonne réponse était effectivement la T45, parce que le symbole dans les farines, c'est plus le chiffre est bas, plus la farine a été raffinée, donc plus on lui a enlevé le germe du blé, le son du blé, et donc plus elle devient blanche, alors que quand le niveau est élevé, ça finit presque par être de la farine complète. Donc oui, la T45 est plus blanche que la T80. Déjà la T45, on ne comprend rien. Et on va parce dire, que vous ne faites pas de pâtisserie. On s'en fout royalement. Non, pas du tout. Vous feriez la pâtisserie, vous ne diriez pas ça, Julien. Il n'aime pas les gâteaux. Et vous lui avez offert quoi? Bah, des croissants. Ben voilà, il fallait me les offrir. Ça aurait été quand même plus utile, je les aurais bien appréciés. Surtout, n'hésitez pas à faire votre petite émission dans votre coin. Et vos blagues. Bon, merci beaucoup pour ce moment catastrophique. Faites-moi penser à regarder les courbes d'audience sur le moment qu'on vient de vivre, là. C'est assez intéressant. Allez, on continue, on est là pour vous aider, on va le faire, vous le savez, on est vendredi. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque, et nous allons tout faire pour vous aider. On va peut-être attaquer maintenant, si vous le voulez bien, c'est vous qui décidez, Madame Boubecker, un cas parmi tous ceux qui sont en plateau avec nous. Tout à fait, je choisis Ludovic. Oh, vous lui avez tapé dans l'œil, Ludovic. Ludovic qui nous arrive de Benheim. Vous connaissez ou pas? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on y fait au Benheim? Elle dit bien sûr. À Benheim, ben, on se balade, on fait des jolies balades, on regarde un petit peu la ville, on va à Strasbourg si on s'ennuie. On se gratte les oreilles, enfin, je ne sais plus quoi dire, on regarde un peu la ville. On va à Strasbourg, on va au Bernay, enfin voilà, on se balade. C'est beau l'Alsace, c'est très très beau. Je vous invite. Il paraît que c'est une des plus belles régions de France. Oui, mes parents sont alsaciens. Ah, mais c'est pour ça. Benheim, Barin 67, que se passe-t-il là-bas, Madame Boubecker? Eh bien, je vous parle de Sun, qui est une héroïne pour tous les chiens de la région. Alors qu'elle patrouillait dans un immeuble pour déloger les squatteurs, ce Malinois de 2 ans a fait une triste découverte, malheureusement. Sun a découvert un autre chien coincé dans un immeuble, victime de négligence de la part de son propriétaire. Le Malinois, donc Sun, a tout de suite alerté la police, enfin, les a fait revenir.
intervenir et le chien a été sauvé et a été recueilli par la SPA. Et Sun, maintenant, est devenue une héroïne pour toute la police et pour tous les habitants de la région. Mais quand les gens comprendront qu'on a tout à gagner à aimer les chiens et à ne pas les maltraiter. Alors d'ailleurs, il y a un vrai sujet, et on s'adresse au gouvernement, c'est la Fondation Brigitte Bardot qui a lancé ça, sur le sort justement de ces Malinois, souvent avec les vigiles. Oui. Hein, donc on va leur demander de surveiller les lieux des Jeux Olympiques la nuit. Les pauvres chiens sont enfermés dans des voitures, dans des cages. Ils ne sortent que pour aboyer avec des muselières. Ils ne sont vraiment pas bien traités. Alors certains doivent certainement bien traiter leurs chiens, mais il faudrait jeter un petit coup d'œil à ça, parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne qu'on ne peut pas vivre dans ce monde sans... en maltraitant les animaux, c'est pas possible. Donc, on y va pour Ludovic qui nous a dit qu'il avait des chats. Oui. Combien ? J'en ai 4. Oh là, je sens des petits noms là, on va se régaler. Allez-y, comment ils s'appellent ? Alors, j'ai Osiris. Osiris. J'ai... Plein. Vous vous rappelez plus du nom des chats ? C'est le temps de me rappeler. La fatigue. Et les enfants ? Bon, mais mettez-vous un petit post-it tout à l'heure. S'il y en a un qui revient à l'occasion, vous nous le donnez au fur et à mesure. Mais c'est pas grave. Et vos enfants s'appellent comment ? Alors, Curtis. Alors, Osiris. Non, ça, c'est bon. Non. Alors, allez-y. Curtis, Ethan, Léo et Gwenaël, le dernier. Très bien. Il n'est pas là pour ça. Il est là parce qu'il il ne parvient pas à se faire rembourser 1200 euros. Racontez-nous ce qui vous arrive. C'est le numéro 1 dans le monde, c'est Amazon. Donc, j'ai commandé une carte graphique. Ouais. C'est pour jouer à l'ordinateur ? Oui, c'est ça. D'accord. Pour les enfants aussi, puis qu'ils puissent profiter. Et du coup, j'ai pris... combien, une carte graphique ? Ben, il y en a des pas chers, ça va de 300... Ah, mais la vôtre ? La mienne ? Oui. C'était dans les plus de 1000 euros, 1200. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est une belle somme, ok, c'est vous pouvez la commander. Elle est arrivée ? Elle est arrivée, parfaitement. Et donc, je l'ai testée sur l'ordinateur. Et il se trouvait qu'il n'était pas compatible avec... Et du coup, j'ai procédé au retour. Et on y a le droit, alors. Voilà, on y a le droit. S'il vous plaît, les règles de base de la vente à distance, c'est que j'ai le droit de renvoyer le produit, sous quelles conditions, etc. Alors, tout dépend effectivement du contrat que vous avez conclu, mais généralement, il serait logique que le produit puisse être renvoyé au moyen d'une étiquette, généralement, que vous avez à télécharger et qui permet de les renvoyer sans avoir à débourser d'argent. Alors, j'ai une autre question à vous poser, parce que là, il y a dit quand même quelque chose d'important concernant cette carte. Voici ma question. Bonjour Anne-Claire Moser, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Ma question est simple. Il a essayé la carte. Il s'aperçoit qu'elle n'est pas compatible. Ce qu'on ne va pas lui dire, mais à partir du moment où tu l'as essayé... Dans le cul la balayette, tu ne peux plus être remboursé. Alors je ne sais pas si c'est dans le fufu la balayette. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là encore, on en revient au conseil. Quel était le conseil et quel était votre degré d'information au moment où vous avez conclu ce contrat ? Était-il mentionné ? Parce que j'ose espérer que vous aviez la présence d'esprit. Je n'en doute pas une seule seconde de vous dire est-ce que mon appareil était compatible avec la carte ? Vous étiez sûr de votre coup, vous ? Oui, tout à fait. Et vous ont vendu une carte compatible avec votre ordinateur. C'est censé fonctionner, mais des fois, selon les composants, ça peut arriver alors, que... Bon, alors dans ce cas-là, effectivement, je pense que vous êtes en droit, vous êtes dans votre plein droit que de renvoyer cette carte et d'en avoir une autre, car la délivrance n'est pas conforme, puisque votre degré d'information était le bon. Néanmoins, Linda, c'est pas le problème, parce qu'ils ne lui ont pas refusé de renvoyer la carte. Quel est le problème ? Il l'a renvoyée, le colis a bien été réceptionné, et depuis, on ne le rembourse pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit quand vous appelez le service après-vente de Amazon ? Ben, on m'a envoyé vers un autre service qui s'appelle OFM. OFM ? Voilà. Une radio libre ? Non, c'est leur service qui répond uniquement par mail. D'accord. Et puisqu'au début, ils ont procédé à un soi-disant remboursement qui a été annulé par leur service OFM, justement. Bon, alors là, quand on parle du client qui, à un moment donné, a le droit d'avoir la moutarde qui lui monte au nez, on est en plein dedans, parce que c'est simple, en fait. Ils lui vendent, la carte ne marche pas, mais là, on passe. Alors, en plus, je me mets à la place de l'acheteur. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est... Attendez, je ne suis plus chez Amazon. Non, c'est OFM. Et comme Amazon a annulé, OFM ne veut pas, mais va recompte. Et on ne comprend plus rien, Olivier Delorme. Est-ce que vous aviez acheté sur Amazon ou, sur la marque ? Non, j'ai fait très attention d'acheter chez le vendeur Amazon. On l'applaudit. Ça, c'est super. Bravo. Ça vous rend quand même assez serein. Ça vous ennuie d'applaudir Non, vous n'avez pas applaudi du tout. Vous nous avez regardé applaudir et vous vous en moquez royalement de son cas. Non, bravo. Pourquoi bravo ? Parce qu'encore une fois, quand vous allez chez Amazon, Darty et compagnie, sur la page, vous pensez acheter chez eux, mais si vous ne faites pas attention, vous achetez en fait chez quelqu'un qui a loué l'emplacement. Et ce n'est plus du tout le même service. Alors, aujourd'hui, on va lancer l'appel. Qui est sur ce coup de Ludovic ? C'est vous, Hervé ? C'est Hervé. Hervé, c'est déjà en train d'appeler Amazon ? 14.
Exactement. D'accord. Il est en pleine communication voilà. avec le service client. Je ne sais pas, tout d'un coup, on vient de l'entendre dire 14. Donc, oui, la farine, à mon avis, il est tombé sur un mari qui lui a dit « Combien de fois vous êtes venu chez moi pendant que j'étais pas là ?» 14. Bon, alors, il avance et on va essayer d'obtenir. Je tiens à dire, espérons qu'ils ne me feront pas mentir, que Amazon, donc c'est la boîte numéro un dans le monde, je ne me trompe pas. Sur le e-commerce, oui, plus de 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires, vous imaginez. Et qu'à chaque fois qu'on les appelle, alors, effectivement, ils arrivent souvent dans l'émission, car statistiquement, sur 100 commandes en France, il doit y en avoir combien de pourcents Il y en a sans doute plus d'une sur trois en moyenne, donc c'est énorme. Donc ça vient souvent là. Mais par contre, à chaque fois qu'on les appelle, à chaque fois, pour l'instant, ils nous règlent le problème. Donc je croise les doigts pour vous, normalement, il devrait y avoir de bonnes nouvelles. Julien Courbet sur RTL. Ludovic est avec nous. Ludovic a quatre enfants dont il connaît les prénoms. Quatre chats dont il connaît le prénom d'un seul. Osiris, les trois autres, trou de mémoire. On n'en sait pas plus, mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu parce que je suppose que c'est ce qu'on appelle un gamer. Il a acheté un ordinateur qui permet d'avoir des jeux élaborés. Ça fait, ouais. Et il faut des cartes mémoire un peu plus puissantes que les autres, c'est ça ? Oui, voilà. Bon, il en a acheté une, et que s'est-il passé, Linda ? 1 200 euros, il a payé 1 200 euros, elle ne convenait pas finalement à son ordinateur, il l'a renvoyé, le colis a été réceptionné par Amazon, mais depuis on lui fait des réponses incompréhensibles et on n'arrive pas à le rembourser. Alors Anne-Claire ? Moi ce qui me pose problème dans ce dossier, c'est que vous êtes tout de même protégé, comme nous tous, par le code de la consommation, qui prévoit bien que lorsque l'article est renvoyé, le vendeur a 14 jours pour vous rembourser. En l'occurrence, ils le savent pertinemment puisqu'ils vous l'ont écrit. On vous remboursera dans 14 jours. Ça sert à quoi de dire 14 jours ? Ça sert pas, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire plaisir. C'est pour faire courir des délais si les personnes ne s'exécutent pas. Par conséquent, vous seriez en droit de demander des pénalités qui courent à partir d'un certain nombre de jours de retard, 30, 60, 90, etc. Donc c'est incompréhensible que ce remboursement n'intervienne pas. Alors, il paraît que vous étiez, j'ouvre une parenthèse de temps qu'Hervé raccroche, vous avez été DJ pendant longtemps ? Aussi, oui. Mais vous étiez DJ en boîte de nuit ou en soirée ? Un petit peu en boîte de nuit, mais sinon je fais encore de temps en temps des soirées. Pour dépanner ? Ouais, des petits mariages, des petits annives. C'est génial à faire. Ah, mais c'est génial. Après, le mariage, il faut gérer. Vous avez déjà été embêté avec celui qui veut des tangos, par l'autre qui veut du rap, le troisième. Ça arrive, mais après, on arrive à les gérer. Et encore, maintenant, vous êtes de la génération où tout est sur ordinateur. Vous n'avez pas connu les disques, où les types passaient derrière. Mais j'ai connu les disques. Et ils regardaient, tiens, mets ça. Et tout le temps. Attendez, monsieur. Bon, alors, puisqu'on est en pleine soirée DJ, on y va. Eh bien, mesdames et messieurs, au rayon négociation, nous retrouvons Hervé Pouchol. Et j'en profite pour demander à Régis Ravanas, le patron d'RTL, de bien vouloir déplacer son Kangoo qui gêne le local à poubelle. Est-ce que, Hervé, il y a du nouveau du côté d'Amazon ? Alors, il y a du nouveau au niveau du service client. Je suis tombé sur un conseiller client très honnête. Il m'a dit pourquoi, je suis sur un disons qu'il a été très franc avec moi. J'ai perdu du temps à lui donner le numéro de commande. J'ai besoin de vous identifier. J'ai un nouveau logiciel que je ne maîtrise pas totalement. Et là, j'ai compris qu'il ne le maîtrisait pas. Ah, d'accord. Donc, au bout d'un moment, j'ai préféré raccrocher et appeler mon contact privilégié. Parce que là, sincèrement, ils ont besoin d'authentifier l'appel. Et donc, forcément, je n'avais pas le numéro de portable et ni le téléphone de notre ami Ludovic. Mais je viens de recevoir un petit texto de la direction d'Amazon qui va s'occuper du cas. Et peut-être que nous aurons du nouveau d'ici la fin de l'émission. Ça serait bien. Surtout que là, on part de moins loin que d'habitude. D'habitude, oui, c'est vous avez reçu le colis, basta, au revoir. Là, ils acceptent de dire qu'il y a eu un souci, mais ça prend un peu de temps, mais c'est une telle mastodonte. Combien d'employés en France, à peu près, on le sait, ça ou pas ? Je dirais peut-être 20 000, quelque chose comme ça, parce que c'est de la manutention, hein, c'est la préparation de commandes. Il faut vérifier, si vous voulez. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et je vous le dis, à mon avis, ça va bien se passer. Hervé, vous avez été DJ. Il y a beaucoup de DJ. Moi, l'ai été dans des mariages. Hervé aussi l'a été. Oui. En boîte de nuit. Mais pas dans les mariages, dans les boîtes de nuit. Mais à l'époque, on avait des micros. Ouais. Moi, je suis devenu DJ à l'époque pour parler dans un micro. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, on animait la soirée. On avait ça se fait plus de parler dans le micro. Les DJ, heureusement, parce que qu'est-ce que c'était les DJ qui parlent tout le temps. Qu'est-ce que c'était saoulant. Et ceux qui veulent vous faire plaisir encore plus. Rappelons cette anecdote. Je suis avec Hervé Pouchol. Nous débarquons tous les deux dans une discothèque. Je suis un petit peu connu à l'époque, et donc le DJ, tout content, on vient lui dire « Putain, il y a Julien Courbet », il se dit « Il faut quand même que je lui rende hommage ». Donc il balance une musique et dit telle qu'elle, alors nous on était venus, on va pas se mentir, pour draguer un peu avec Hervé, voilà, donc moi j'étais là, après on était au bar, et tout d'un coup on entend. Eh bien j'espère que tout le monde passe une bonne soirée avec ce soir, la participation
exceptionnel de Lucien Courbet. Ça a été terminé. Lucien Courbet, ma blague. Inutile après d'aller dire la jeune fille que vous êtes jeune, elle ne vous croit pas. Bon, eh bien voilà, c'est parfait. On avance. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que vous allez nous faire un balance ton étiquette, car nous sommes l'émission Antiernac, je vous le rappelle. Avant d'attaquer les cas de Cassandre, de Patrick et de Laurent. Vous savez que je me suis beaucoup battu sur ces marques qui ne disent pas la vérité, qui ne sont pas transparentes sur l'origine des ingrédients. Et là, je voudrais faire l'inverse. C'est une PME de Provence qui fait des produits à base de sauce tomate. Alors, bah, sur certains produits, évidemment, ils sont contents de dire 100% origine France, mais ça, c'est pas de la transparence puisque c'est de la valorisation. Mais là où ils m'ont épaté, c'est que pour d'autres produits, ils mettent le pourcentage qu'il y a, même quand ça n'est pas 100%. Et ça, c'est franchement très honnête. Cette petite boîte s'appelle Champlat. Champlat en Provence, c'est de la sauce tomate, c'est du ketchup. Là, par exemple, j'ai un ketchup qui est fait à 87% d'ingrédients français. Vous me direz, c'est encore très majoritaire, donc ils se font mousser. Eh bien non, j'ai de la sauce harissa, où il y a 46% d'ingrédients français. C'est très honnête de dire sur le devant du packaging qu'il n'y a pas 100% de produits. Je trouve ça franchement très très honnête. Et ben voyez, il y a une autre marque de distributeur qui fait aussi pareil, c'est la marque Repère, c'est chez Leclerc. Quand ils font de la compote pomme-framboise, eh bien je vous lis ce qu'il y a marqué sur le devant du packaging. Framboise origine, Espagne, Pologne, Serbie ou Ukraine. C'est très honnête de le dire parce qu'en plus, c'est pas français. Et donc, si toutes les marques pouvaient faire ça, de dire exactement ce qu'il y a dedans, même quand c'est pas le plus valorisant possible, là, vous voyez, quand je mets que la framboise, elle est espagnole, polonaise, serbe ou ukrainienne, je dis pas qu'elle est française et pourtant, je le reconnais. Apprenons petit à petit. Mais je pense que c'est le cas, hein. Ça y est, il y a une prise de conscience. Oui. Apprenons à lire un peu les étiquettes, car à chaque fois que vous achetez français, effectivement, bah, vous aidez les agriculteurs. Si c'est plus cher, vous avez tout à fait le droit d'acheter autre chose, mais au moins, si vous avez envie d'acheter français, que vous puissiez le savoir. Est-ce que vous faites ces efforts-là, les uns et les autres, de voir si vous pouviez... Vous ne regardez pas du tout les étiquettes, vous, par exemple, Patrick? Ma femme qui fait les courses. Ah, c'est elle qui fait les courses. Vous regardez la télé pendant ce temps-là en buvant une bière? Eh non, moi je bière, bon, je suis contre l'alcool. Ah bon, c'est vrai, vous ne buvez pas une... Et apparemment, Cassandre aussi? Non. Non. Mais pourquoi vous faites comme ça? Elle a hoché de la tête en faisant oui. Hein. Non, je trouve ça bien. Ah, de ne pas boire de bière? Oui. Chez les autres, c'est mieux. Hein. Chez les autres, c'est mieux. Voilà, très bien, merci. Cassandre est assez énigmatique. Je ne vous cache pas que je n'arrête pas de repousser son cas parce que je ne sais pas comment l'aborder. C'est très compliqué, j'ai trouvé mon maître. Bon, allez, on avance. Le pire qu'on ait eu dans cette émission, et grâce à vous nous l'aviez dit, c'est quand il y a marqué... Oui. Union européenne, déjà, ça veut dire que c'est pas français, mais on est tombé sur des produits où il y a marqué, parce que si c'était français, il marquerait français, origine, Union européenne ou non. Il y a quand même marqué ça sur des produits, c'est se foutre de la tête. Je vous ai cité l'exemple de la mayonnaise qui était faite avec des œufs français avec un gros drapeau, et puis l'huile qui est quand même le composant essentiel d'une mayonnaise qui était origine UE ou non UE. Donc là, c'est UE ou non UE. Ça ne veut rien dire du tout. Allez, on avance, les différents cas. Mesdames et messieurs, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un souci, ça peut vous arriver. @m6.fr, ça va être à nous, Cassandre, ça va être à nous, Patrick. Vous suivez, ça peut vous arriver. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, Johanna? Je crois que vous vouliez prendre des nouvelles de quelqu'un. Oui, de Stéphanie qui nous écoute. Ah, bah, j'espère bien qu'elle nous écoute, ça serait dommage quand même, parce qu'on l'aide, alors au moins qu'elle sache ce qui lui arrive. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Elle nous appelle d'où déjà Stéphanie? De Biarritz. Ah, génial. Bien. Quelle température aujourd'hui? C'est assez mitigé, il fait un peu gris, mais il fait plutôt bon. Je rappelle qu'à Biarritz, il y a les quatre saisons dans la même journée. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez vous prendre un abado... 5 minutes après, vous avez un soleil comme si vous étiez en plein été, il se met à faire gris et froid et c'est reparti. Qu'arrive-t-il à Sdevani? Sdevani, elle avait quitté Biarritz justement pour se rendre au Sri Lanka, mais c'était via Paris. Mm-hmm. Et c'est lors de ce changement d'avion qu'on avait perdu sa valise. En un an, elle n'avait pas réussi à être indemnisée, elle avait dû tout racheter au Sri Lanka. On vous perd, comment ça peut même arriver jusqu'à là? On vous perd votre valise, un an après on ne vous a toujours pas indemnisé, qu'il l'ait perdu, ils l'ont perdu, on l'aura volé, mais quand même, au bout d'un mois, deux mois, on fait quelque chose, Bernard Sabat. Vous rappelez, elle venait d'Arkhang, cette charmante demoiselle Stéphanie qui était avec vous vendredi dernier.
Donc il fallait avancer un petit peu ce dossier. J'ai vérifié où il était bloqué. Il était bloqué tout simplement à la médiation du tourisme. Vous savez qu'il existe un médiateur du tourisme quand il y a un litige entre une compagnie aérienne et des passagers. Automatiquement, ce dossier peut venir justement jusque-là. C'est ce qui s'est passé. J'ai appelé le président, que je connais bien, M. Jean-Pierre Mas. Il a regardé le dossier et il est tombé d'accord avec Stéphanie pour qu'on lui rembourse un bagage perdu. En l'occurrence, vous savez qu'un bagage, il est considéré comme perdu après 21 jours. Donc on lui devait 1578 euros. Eh ben voilà, c'est fait. Vous avez eu le remboursement ou pas encore, Stéphanie? Alors, j'ai pas encore les sous sur mon compte, mais j'ai reçu un mail d'Air France me confirmant effectivement qu'ils allaient m'indemniser à hauteur des 1576 euros. Bon, bah vous êtes contente alors, Stéphanie? Oui, bien sûr. Ouais. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Elle est un petit peu déçue, Julien. Pourquoi? Parce que vous savez qu'elle attendait aussi ce qu'on appelle les remboursements des frais de première nécessité. Il y en avait pour 1300 euros pour les 15 jours qu'elle a passé avec sa maman sans bagage au Sri Lanka. Malheureusement, Air France dit la chose suivante. Moi, j'ai assuré votre bagage entre Biarritz et Paris. Après, vous avez pris une autre compagnie aérienne, ça ne me concerne pas. Débrouillez-vous avec l'autre compagnie. Donc moi, j'appelle Air France à faire un geste commercial, un petit avoir, quelque chose, pour montrer que des personnes qui partent 15 jours quelque part, même si on perd leur bagage à Paris, on doit les dépanner. Et je rappelle surtout, si vous partez maintenant les vols de bagages, les pertes de bagages avec l'explosion du trafic aérien, donc gardez en cabine justement de quoi un slip de rechange, une brosse à dents, etc. Non, mais parce que quand vous vous retrouvez à l'étranger avec rien, ben vous êtes bien embêté, vous êtes obligé de racheter. Et dernier petit conseil, Julien, vous savez que les étiquettes, ça s'arrache avec les bagages qui sont jetés avant sur les tapis. Mettez vos coordonnées à l'intérieur du bagage en plus. Pourquoi? Parce que quand que la police voleur sache à qui il a piqué. Non. Non, tout simplement, vous savez que si ce bagage est perdu dans un autre pays et qu'on recherche votre valise, on l'ouvre avec la police de l'air et des frontières. Et là, on devine votre nom, votre mail et votre téléphone et on vous appelle. Allez, merci beaucoup et gros bisous. À bientôt au Pays Basque. Nous continuons, merci. Mesdames et messieurs, avec les différents cas et notamment les inédits. RTL. Nous allons avoir, je vous le rappelle, dans quelques instants, Cassandre. On va la garder encore quelques minutes. Elle est étudiante infirmière. Vous en êtes où dans vos études? Je suis en deuxième année. Très bien. Donc c'est fini ou c'est trois? C'est trois ans. Trois années. Elle va nous dire que son nouveau téléphone défectueux, elle l'a renvoyé, ils l'ont perdu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'ils peuvent pas me rembourser. En fait, ils ont supprimé mon compte. Ah bon? Oui, c'est sur Back Market, en fait. Ouais. Donc, ils ont supprimé mon compte. Donc, j'ai ni accès à ma facture, j'ai accès à rien du tout, aucun message. Et donc, j'ai envoyé des mails et on m'a dit que c'était pas compatible avec l'entreprise. Donc, du coup, je serai pas remboursée. Vous voulez savoir ce qu'est un vrai choc de génération? Ça vous intéresse? Ah oui. Patrick, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est Back Market? Allez-y. Impossible. Voilà. Voilà, vous avez tout compris. Entre Cassandre, parce que lui, vous ne commandez pas sur Internet des téléphones. Ah non. Pouvez-vous expliquer ce que c'est Back Market, s'il vous plaît, Cassandre? C'est des téléphones reconditionnés. Ah, voilà. Il ne le savait pas. Il le sait maintenant. Il va pouvoir en parler à son boulanger. Ah ouais. Et qu'il va acheter les viennoiseries. Sur quoi va-t-on? On prend des nouvelles de quelqu'un, s'il vous plaît, Johanna? Oui, de Didier. Non, Johanna, en ce moment, vous avez une... Franchement. Je la pêche. Ah oui, je vois ça. Je la pêche. Didier, bonjour. Oui, bonjour Julien, mais bonjour à toute l'équipe. Eh ben bonjour à mon Didier, qui est à Fraisse des Corbières, c'est ça Didier? Oui, c'est ça Julien. Alors, qu'est-ce qui lui arrive au Didier? Eh bien Didier, il avait acheté une voiture décapotable, 6400 euros, mais au bout de 6 mois, il en a eu marre d'avoir les cheveux au vent, il a voulu... Parce que j'ai vu sa photo, oui. Oui, le cheveu au vent, il a voulu la revendre, mais il s'est rendu compte que le contrôle technique ne le lui permettait pas. Il s'était retourné vers le garagiste pour des réparations, mais le garagiste tardait à les faire. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Qui s'était occupé de ce cas là-bas? Ça les appelle, oui. Allez-y. C'était moi. Alors, écoutez, j'avais eu une discussion avec Kamal Wadou. Oui. Kamal Wadou m'avait dit la chose suivante. Eh bien, écoutez, Didier peut venir récupérer son véhicule qui a été réparé. Et moi, j'attendais simplement des nouvelles de Didier pour savoir s'il avait récupéré sa voiture. Demandez au Didouné. Didier, est-ce que vous avez eu des nouvelles du garage? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, j'ai téléphoné la veille du jour où je devais récupérer la voiture. La veille du jour où vous deviez récupérer la voiture, ok. Voilà. Et du coup, il m'a dit que la voiture n'était toujours pas faite. Donc, ça fait déjà 15 jours de ça et j'ai toujours pas de nouvelles. On s'est fait rouler dans la farine alors, apparemment. Ou alors, exactement. Il a eu un petit souci. Mais il vous a pas dit pourquoi il avait du retard? Ah ben non, il m'a simplement dit qu'il avait dit à votre collègue qu'il essaierait de la faire, mais que c'était pas sûr. Ah on y va, Hervé, lancez la machine. Il m'a jamais dit ça. Voilà. Moi, il m'a dit, c'est sûr qu'elle sera réparée. Lancez l'appel. Demandez à Bernard de me donner le câble, merci beaucoup. Voilà, merci, surtout faites vos petites histoires, ils ont un câble là qui sont en train de se passer pour faire les numéros. On y va, c'est parti. Allez, c'est parti, l'appel est lancé. On rappelle une nouvelle fois Kamel Wadou. De Auto Design à Villeneuve-les-Béziers.
avenue Pierre Bérégovoy. Ouais. Au destin tragique. Ouais, c'est le cas de le dire, ouais. Autodesign. Alors, on va lui laisser un message. Ne vous inquiétez pas. Alors, après, Mme Claire Moser va nous dire quand même qu'il va peut-être falloir montrer un peu les dents. Surtout que nous, maintenant, on a des. Il nous a bien dit sur l'antenne, il s'est engagé quand même, ce monsieur. Vous êtes bien sur la messagerie du garage Autodesign. Ouais. N'hésitez pas à me laisser un message avec vos coordonnées ainsi que le motif de votre appel. Je n'hésiterai pas à vous rappeler. Super. Merci. Okay. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Monsieur Kamal Wadou, Autodesign, Julien Courbet, l'émission RTL. Alors, nous sommes en train de faire RTL M6, l'émission, et nous revenons vers vous, parce que très gentiment, vous aviez eu une négociation avec Hervé Pouchol, vous deviez récupérer, réparer, et là, votre client et notre auditeur téléspectateur Didier nous dit qu'il ne s'est rien passé, et que la veille, vous avez dit, eh ben non, je ne pourrais plus le faire. Alors, on est un peu inquiet, parce que si vous faites des promesses d'un côté qu'il n'y a rien de l'autre, les gens pourraient y voir le mal. Anne-Claire Moser, j'espère que ce monsieur va vite rappeler, sinon il faut qu'il fasse quoi, ah, oui, parce que moi, je suis ennuyée dans ce dossier, parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce qu'on a un professionnel qui avait un peu d'ailleurs chanté les règles de la garantie légale de conformité pour les véhicules d'occasion, puisqu'il avait écrit 3 mois dans son contrat, alors que pour les véhicules d'occasion, enfin les biens d'occasion, c'est 1 an. Mais bref, passons. Il s'est engagé à faire des réparations, c'est la moindre des choses, c'est l'obligation qui lui incombe, car le véhicule, on s'en aperçoit, n'est pas conforme à ce qu'il aurait dû être. Or, le vice est censé préexister, donc il est incompréhensible qu'aujourd'hui les réparations n'aient pas été faites, et sinon c'est l'annulation de la vente qui lui pend au nez. Allez, c'est parti Hervé, vous essayez de l'avoir, on avance et je vous tiens au courant, je vous appelle dès que je l'ai, Didier, d'accord ? Ok, parfait, merci Julien. Tout de suite, je vous en prie, et attention merci. Mesdames et messieurs, vous attendez ce moment depuis maintenant longtemps. L'énigmatique Cassandre va entrer en piste, vous raconter son problème et nous allons appeler. C'est vous Bernard qui allez vous occuper de Cassandre, est-ce une bonne nouvelle ? Patrick est avec nous, il va nous expliquer son cas également. C'est des chiens qui ont failli dévorer votre épouse. Ils l'ont attaqué et voilà, le voisin en a 5, il ne sait pas les tenir visiblement. Eh bien, nous allons nous en occuper, l'assurance ne fait rien. Et nous allons voir si pour Laurent et Ludovic, on peut sceller les accords que nous avons lancés. Bref, énormément de choses. Et Olivier Dauvert, au sommet de sa forme, bien sûr, sera avec nous pour lequel des deux. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, reviens dans un instant. La dernière ligne droite, mesdames et messieurs, et nous avons Laurent, Cassandre et Patrick à tourne de nos nouvelles. On va tout de suite attaquer, c'est avec vous Cassandre que l'on va démarrer. Cassandre, dont nous savons qu'elle arrive de Toulouse. Vous êtes partie ce matin, ça s'est bien passé ? Très bien. Train, avion ? Avion. Très bien, oh dis donc. Quand c'est Cassandre, le producteur de l'émission, donne l'avion, d'autres viennent en blablacar, sachez-le. Et de plus près en plus. Cassandre, étudiante infirmière, elle nous l'a dit, depuis toute petite vous voulez être infirmière ? Oui. Très bien. Oui, c'était une vocation. Mais j'ai l'impression que voilà, elle récupère des chats, car je rappelle, elle est famille d'accueil pour des chats avant qu'ils trouvent une vraie famille. Elle est infirmière, elle aime faire le bien autour d'elle. Bon. Pourquoi vous riez ? Oh, oui, c'est sympa comme ça. Bah oui, mais faut pas rire comme ça, il faut qu'il y ait une raison, hein, sinon les gens s'inquiètent. C'est de la façon de dire, elle aime faire le bien autour d'elle, c'est marrant quand vous dites ça. Ok. Est-ce qu'on peut me faire penser à mettre une limite d'âge pour les avocats, parce que quand on la dépasse. Mais non, Mme Claire. Mais c'est vrai, elle respire la gentillesse. Mais carrément, elle a l'air géniale. Et alors, le problème, c'est qu'elle a besoin d'un téléphone. Alors, pour évidemment téléphoner à ses copines, à ses copains, mais surtout pour téléphoner à l'association, pour leur dire je suis prête à prendre des chats, venez chercher un chat. C'est un outil de travail. Et malheureusement, il y a un souci. Alors, racontez-nous ce qui vous arrive, Cassandre. Du coup, j'ai reçu le téléphone qui n'était pas conforme. Vous avez acheté sur Back Market, qui est une société qui reconditionne des téléphones. Exactement. Donc, je l'ai commandé en état comme neuf. Et quand il est arrivé, la batterie n'était pas à 100%. Et la batterie, au bout de quelques jours, j'ai bien remarqué qu'elle fonctionnait pas bien. Donc, j'ai renvoyé le téléphone. Et quelques jours après, on m'a dit que c'était perdu, en fait. Qu'il avait soit été volé, soit perdu par Chronopost. Ouais. Et ensuite, du coup, on m'a demandé d'aller porter plainte. Par rapport à ça, et envoyer ma plainte. D'accord. Donc j'envoie ma plainte. On me dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer la plainte ? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Non, vous plaisantez ou quoi ? Non, quatre fois, ils vous ont dit, vous pouvez envoyer la plainte. Alors voilà, j'ouvre une petite parenthèse. Là encore, Olivier Dauvert, vous êtes en responsable marketing.
c'est pareil. À un moment donné, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils s'étonnent de perdre les clients parce que elle, qu'est-ce qu'elle dit ? Ils se moquent de moi, ils gagnent du temps. Ou alors, ils sont nuls, ils ne sont pas organisés. C'est ça qu'on se dit. Ben, ils essayent tout simplement qu'elle se lasse parce qu'on se dit, ben, au moins, si elle se lasse, on ne gérera pas le problème. Mais encore une fois, on ne fait pas du commerce en espérant que votre client se lasse de votre relation. Mais franchement, vous avez pensé ça, vous, à un moment donné ? Quand on vous le demande une quatrième fois, qu'est-ce que vous leur dites au téléphone ? Vous gardez votre... Ben, j'ai répondu, passez-moi un responsable parce que ça m'agace. Ouais. Et là, on a supprimé mon compte, du coup. Et voyez, la punition, parce que ils n'ont pas fait leur travail. C'est dingue, ça. Mais c'est pour ça que j'adore cette émission, parce qu'ils repoussent sans cesse les limites. Et après, ces gens-là, quand vous les appelez, dites, vous vous rendez compte ? La mauvaise publicité que vous me faites, mais vous n'avez pas besoin de nous pour vous faire de la mauvaise publicité. Et ça me pose un problème de taille, car en supprimant le compte de Cassandre, il l'empêche de pouvoir accéder à ses factures, à ses commandes, etc. Autrement dit, à se garantir les preuves qui lui sont nécessaires pour montrer sa bonne foi. Donc ce sont des pratiques qui sont intolérables. Bon, mais maintenant, essayons de donner la parole à la rigueur allemande pour bien comprendre les tenants et les aboutissants dans ce dossier. Fräulein, s'il vous plaît. Ce qui est fou dans ce dossier, Julien, c'est que Backmarket, c'est ce qu'on appelle une licorne. C'est-à-dire, c'est une société, une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars. Backmarket, aujourd'hui, vaut 5 milliards de dollars et présent dans 13 pays. On pourrait penser qu'ils auraient le temps quand même d'aider Cassandre qui a mis des sous de côté patiemment pour se payer ce téléphone, mais elle n'a que du mépris. En fait. Alors on y va, on va lancer les appels. C'est vous, je crois, Bernard, qui allez vous occuper de ce dossier. On lance l'appel directement, que tout le monde participe à la négociation. Voyons comment ces gens-là... Oui. Merci d'appuyer sur la touche dièse. Appuyez sur la touche dièse, s'il vous plaît, madame. Sinon, vous pouvez rester en ligne. Non, non, on va appuyer sur la touche dièse, t'inquiète pas. Ça, on peut faire, ça. Il y a un truc qu'on sait pas. Ah. Cet appel ne sera pas enregistré. Ah, dommage. Si vous avez besoin d'aide concernant une commande existante, appuyez sur 1. C'est ça, non ? Oui. Oui. Si vous avez votre numéro de commande, ouais, merci de le composer. Ah, ouais, je l'ai composé. Il n'y avait pas. Voilà. Monsieur, il parle d'une manière un peu nonchalante. On y va. Disons. C'est pas une Game Boy, hein ? C'est... je le fais en direct. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous amuser. Allez-y, continuez. Numéro de commande, c'est fait. Pour obtenir une réponse à vos questions ou pour résoudre un problème est de contacter votre marchand. Vous pouvez entrer en contact avec ce dernier directement depuis votre compte Backmarket. Vous désirez tout de même être mis en relation avec un agent Backmarket, appuyez sur 1. Voilà. Autrement. Alors, qu'est-ce qu'il veut c'est nous parti. Dire C'est parti. Vous allez être mis en contact avec un agent Backmarket. Alors, vous le récupérez dès que vous l'avez. Vous l'avez fait combien de fois, ça ? C'est... 10 fois, 50 fois. Au minimum, 10 fois. Et c'est payant ou pas ? J'ai pas vu. Non, c'est pas payant. Non. Alors ça sonne à l'étranger, là ? Il y a une sonnerie, oui. C'est ça ? Ah, oui. Étranger. Bon, oui. Oh, alors on va voir. On va rappeler que c'est une société française, Backmarket, d'origine. Ah oui ? Bien sûr. C'est trois jeunes Français qui ont créé ça en 2014. Eh ben bravo à eux, les gars, mais soyez sympas. Vous pouvez pas demander 15 fois dans le numéro. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé 10 fois le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte. Alors, où va-t-on atterrir ? Dieu seul le sait. C'est Franck, Philippe et Maxime Tupin, son directeur général, et le président, c'est Benoît Frette. Et donc, personne répond dans ces cas-là ou il y a toujours quelqu'un qui répond ou il faut attendre ? Il y a toujours quelqu'un qui répond. Mais il faut attendre. Ça peut sonner longtemps. Une minute. Bon, alors Maxime. Vous récupérez Bernard et vous me dites ça ? Je récupère. Allez, ça marche. Dans une seconde, vous restez avec nous, puisqu'on va travailler sur plusieurs dossiers en même temps. Nous aurons notre ami Laurent, qui nous dit qu'il est gérant d'une société de marquage adhésif. Tout à fait. Très bien, comment s'appelle-t-elle ? Société Pureworks. Pureworks, ouais. Comme travail. C'est ça, tout à fait. Donc, qui sont vos clients, par exemple ? Ben, le secteur du bâtiment, essentiellement. Ça peut être société. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur faites exactement ? Eh ben, du marquage de discrétion. Au sol. Non, pas au sol, mais dans les cloisons amovibles la plupart du temps, pour rendre un peu discret les espaces de travail. Donc, ça peut être du film dépoli ou du film avec des motifs, ce genre de choses. Moi, rien donc, compris. Mais il n'y a pas de bureau chez M6. Ou alors, il n'y a pas de marquage. C'est pour ça que je ne sais pas, c'est que j'ai jamais mis les pieds encore. Ouais, ça peut être de la décoration de vitrine, ça peut être du stickage pour véhicules, tout ce qui est adhésif. Et la boîte, elle est située où ? À Schiltigheim. À Schiltigheim. Tout à fait. Voilà, ok. Dis-moi, Linda, tu ne connaîtrais pas un spécialiste du marquage adhésif sur Schiltigheim ? Parce que j'aimerais bien faire de la décoration. Bah, écoute, il y a Pureworks. Ah bon ? C'est un rue de Lindebuckel à Schiltigheim. Je pense qu'il n'y a que Laurent qui peut t'aider pour ta déco, franchement. Alors, on fonce très vite chez la SARL Pureworks.
Voilà, une publicité minable, mais que nous faisons cadeau quand même. Ça fait plaisir. Oui, ça vous fait plaisir, mais je sens bien autour de votre voix que ça vous a fait une contre-pub. Nous allons nous occuper de ce cas, bien évidemment. Qu'est-ce que ça donne, là-bas, Bernard Sabat, très vite. Écoutez, je suis avec une personne de Back Market. Je l'explique. Vous voulez Non, dans une seconde, s'il vous plaît. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Vous l'avez vu, ça bouge. Attention aussi des conseils avec notre avocate Anne-Claire Moser, venue spécialement de Reims, avec des bouteilles plein les poches. Ça peut vous arriver. Laissons Bernard avancer. Je vous donne rendez-vous, je vous le rappelle, le 4 mars pour une émission qui nous tient énormément à cœur sur M6, Appel à témoins, puisqu'il y a des familles qui attendent désespérément de savoir, pour pouvoir faire leur deuil la plupart du temps, ce qui s'est passé dans des histoires terribles. Voici un nouvel appel à témoins qui vous est lancé. Vous pourrez appeler en direct le soir de l'émission, je dis bien en direct le lundi 4 mars, ou dès maintenant, si vous savez quelque chose, et même anonymement, ne laissez pas les familles sans nouvelles, elles ont besoin de savoir. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis la sœur de Julie Brocard. Ma sœur a été retrouvée morte le 25 juin 2019 à son domicile, à la chapelle Saint-Luc, près de Troyes. Elle a été rouée de coups. Nous pensons qu'elle est décédée dans la nuit du 22 au 23 juin 2019. Nous sommes convaincus qu'elle a été assassinée et que son assassin court toujours. Nous avons donc besoin de votre aide. Si vous avez le moindre élément, le moindre petit détail que vous pensez anodin et qui nous permette de relancer l'affaire, s'il vous plaît, appelez M6, appelez l'émission Appel à témoins. Merci. Et ça marche, hein. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche, il y a beaucoup de dossiers qui avancent, ça permet même de rouvrir, parce que ce qui est terrible, c'est qu'on annonce à ces gens-là l'affaire va être classée. Et là, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais rien. Et grâce à un témoignage, bim, l'affaire est rouverte. Donc, c'est énormément d'espoir pour tous ces gens-là. Et encore une fois, on ne risque rien à témoigner. On peut témoigner anonymement. Absolument. Claire Moser, ne vous croyez pas que vous entrez dans un imbroglio, qu'on va venir chez vous avec une camionnette. Pas du tout. Mmh. On veut juste avoir des pistes. C'est tout. On a presque l'obligation morale, l'obligation citoyenne, hein, d'aller essayer d'aider pour faire avancer les choses, parce que ce sont des situations qui sont dramatiques. Ah, mais pour les familles, elles ne vivent plus. Hein. D'ailleurs, que risquerait quelqu'un qui sait pertinemment, qui a vu pertinemment quelque chose et qui ne dit rien, on pourrait venir le rechercher ou pas du tout ? Écoutez, non, on ne pourrait pas venir le rechercher, mais c'est pareil, on est des citoyens, on est des humains, on a un peu d'humanité, il faut dire quelque chose. Nous, par exemple, en tant qu'avocat, si demain vous venez me voir et que vous m'avouez que vous avez tué quelqu'un, je vais être bien embêtée, car je suis soumise au secret professionnel et je vais quand même avoir les fesses entre deux chaises, de me dire est-ce que je vais balancer Julien Courbet parce qu'il a tué quelqu'un ou pas. Je pense que j'irai tout de même un peu vous dénoncer, je vous le dis tout de suite. En tout cas, j'espère que le jour où on pourra filmer ça, vous serez les fesses entre deux chaises, parce que ça doit être un numéro d'équilibre absolument incroyable. C'est pas faux. Bon, alors écoutez, ça on verra pour des vidéos plus tard. Allez, appel à témoins, c'est le 4 mars. Restez avec nous, mesdames et messieurs, en avance. Julien Courbet. RTL. Elle s'appelle Cassandre, elle décide d'acheter un téléphone. Alors un téléphone moins cher que du neuf, ça avait une économie de combien pour le reconditionner ? À peu près 400 ou 500. 400 ou 500 euros, ça marche pas, elle le renvoie. Ils le perdent, ils lui disent oui, on l'a perdu. On est bien d'accord, Linda. Merci. Et maintenant, rien. Et alors surtout, il la balade, et c'est ça qui est pas terrible, avec le dépôt de plainte. Hein. Absolument, elle a toqué à toutes les portes et à chaque fois, on lui redemande les mêmes documents. On a clôturé son compte aujourd'hui. Cassandre, aujourd'hui, ne sait plus vers qui se tourner pour essayer d'obtenir le remboursement de cet appareil dont elle a besoin. Johanna, est-ce que Bernard Sabat continue de discuter avec Black Market ? Il est parti sur une plateforme à l'étranger, apparemment. Il continue de discuter et il attend encore et encore des nouvelles. Eh bien, ça tombe bien, car il était de cette région, Francis Cabrel, de Toulouse, pas très loin, hein, où se trouve Cassandre. Et ça continue encore et encore. C'est Black Market, d'accord. Que se passe-t-il à Toulouse, d'ailleurs ? On n'en a pas parlé. Non, c'est vrai. Eh bien, un jour de marché, les gendarmes ont fait une drôle de découverte. Alertés par une voiture mal stationnée, empêchant l'installation du marché, justement, les gendarmes ont regardé dans la voiture et ils ont trouvé des emballages un peu suspects dans le véhicule. Ils ont donc décidé de fouiller le coffre et là, surprise, ils ont découvert 3 fusils de chasse. Les propriétaires du véhicule étaient connus des forces de l'ordre, donc une perquisition a eu lieu. Et à l'intérieur de l'appartement, c'était encore pire. Ils ont découvert des grenades, des armes de guerre capables de tirer à longue distance, ainsi que plusieurs fusils à lunettes et des munitions adaptées.
il a évidemment été arrêté. Mais c'était un passionné ou c'était quelqu'un de dangereux, c'est sympa? En fait, on ne sait toujours pas si c'était pour des raisons personnelles ou si c'était pour faire quelque chose d'un peu plus grave. Ok, merci beaucoup. Mais ça ne sont pas des choses à Toulouse. Où en est-on? Est-ce que Bernard Sabat veut prendre la parole ou il veut continuer à négocier, Bernard? Non, je vais prendre la parole. Allez-y. Je suis tombé sur une demoiselle charmante qui est à l'étranger, oui, mais qui connaît parfaitement le dossier, qui me dit, écoutez, logiquement, ça doit remonter plus haut, mais dans les 48 heures. Je dis, écoutez, j'ai pas 48 heures à attendre. Le dossier n'est pas détruit, et il est pourtant instruit. Et là, elle va essayer de me passer un superviseur. Allez, vous passez, vous me faites une alerte. On revient sur Laurent. Laurent qui est à nos côtés. Laurent qui, je le rappelle, est gérant d'une société de marquage adhésif. Et il se trouve, on verra ce qui se passe là-bas, à... Je prends mon souffle et ma respiration... Sofalweyer-Yorsheim, c'est ça? C'est ça. Yes. Alors, racontez-nous maintenant exactement ce qui vous arrive. Alors, au mois d'avril 2023, une cliente me contacte pour faire un nouveau marquage adhésif dans ses locaux, qu'elle va intégrer incessamment sous peu pour démarrer son activité. Donc, rendez-vous, etc. On met en place l'idée de décoration, rendez-vous avec mon graphiste de l'époque pour la conception et l'idée un petit peu de la décoration générale. Tout se passe bien, validation du devis, validation des bons à tirer, enclenchement du chantier. Le chantier se déroule avec quelques petits accros, comme beaucoup de chantiers, malheureusement. On trouve ces solutions-là. Le chantier se termine fin mai, il me semble, 29 exactement, parce que c'était un jour férié. On était retourné là-bas pour qu'elle puisse ouvrir dès début juin. Et donc la facture s'ensuit. J'ai des retombées bonnes après le chantier. J'ai même une capture d'écran d'un post qui a été fait de la patronne sur un réseau social, me félicitant. La société Pure Work, c'est moi-même pour le travail. C'est génial. Et les solutions. C'est compliqué de dire après. Précieux, et les solutions précieux. Et les solutions apportées justement aux petits soucis rencontrés. Et donc voilà. Mais est-ce que aujourd'hui elle ne vous paie pas? Vous êtes là pour ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui elle vous reproche d'avoir mal fait le travail? Alors oui. Alors de temps en temps, alors aujourd'hui oui, elle me dit il y a des choses qui sont mal faites, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est mal fait. J'ai aucun retour d'information ni par mail ni verbal. Je ne sais pas donc qu'est-ce qui a pu être mal fait. Je ne sais pas ce qu'elle peut encore reprocher à ce chantier-là. Anne-Claire Moser, très rapidement, pendant qu'on est en train de préparer. Je pose la question. J'ai une petite à vous poser. Après, vous pourrez partir dans une improvisation. Mais la question que je voulais vous poser, c'est qu'à partir du moment où elle n'a pas, pendant les travaux ou juste après les travaux, on va dire un délai raisonnable de 4-5 jours, constaté que c'est un travail de sagouin, je ne paierai pas. C'est trop facile de dire. Oui, c'est trop facile. Donc non, c'est nul et non avenu. La réception a été faite sans réserve. Par conséquent, la facture de notre ami doit être réglée. Bon, alors on y va, c'est parti. Mesdames et messieurs, j'ai missionné Bernard Sabat pour essayer d'appeler là-bas la société. Non, c'est pas Bernard qui s'en occupe, c'est vous, Johanna? Non, c'était moi. Je suis ravi que ça soit vous, parce que vous savez, les deux, ça fait 35 ans qu'ils appellent avec moi. Un peu de nouveauté, de fraîcheur. Allez-y. Bon, je me lance. C'est parti, Johanna, pardon. Vous appelez Solidus Invest. C'est bien ça? Et on essaie d'avoir Sandrine Bralloré, c'est exactement. Elle Allez, on y va. Solidus Invest, qu'est-ce qu'ils font, Solidus Invest, de l'investissement? Ils font de la gestion de patrimoine, du conseil gestion de patrimoine. D'accord. Allez, c'est parti. J'entends pas la sonnerie. Ma petite Johanna, que se passe-t-il? Pardon, je tape pas assez vite, c'est tout. Pourtant, j'ai des lunettes. Bon, très bien. Entre Linda et Boubou, on a un beau duo ce matin, là. Je veux dire, les filles, que vous avez mis la barre. Oh, ça va être compliqué pour les autres la semaine prochaine. Vous êtes tout méchant. Oh, bah, pas du tout. J'aime bien, châtie bien, alors. Mais exactement. Comme t'as sacré bien, on vous aimait, alors. Alors, c'est parti. Ça répond pas. Qu'est-ce qui se passe, Boubou? Allô? Pourtant, ils sont là. Allô? Ils ont raccroché. Alors, attendez, je relance l'appel, ils ont raccroché. Bon, on y va. Oui, Anne-Claire. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu aussi, c'est que cette dame, elle ne peut pas dire que ça n'a pas été bien fait. Elle ne peut plus le dire, en tout cas aujourd'hui, parce que non seulement il a repris les éventuels désordres, mais surtout, fin décembre, elle lui indiquait qu'un virement allait avoir lieu. Alors, ça sent un peu le mauvais payeur, donc qu'elle nous prouve que l'on est des menteurs. Vous voulez rajouter un petit quelque chose, Linda? Le 20 décembre, Laurent a reçu un texto disant je vous fais suivre le virement cet après-midi, et le lendemain, le nécessaire a été fait, mais je n'ai pas le temps pour gérer vos relances. Ouais, donc en fait, ils vous disent n'importe quoi. C'est un peu compliqué, surtout qu'au mois de décembre, dans une démarche commerciale, on lui a proposé une remise supplémentaire si elle payait avant le 15, chose qui n'a pas été fait. Et du coup, par la suite, on lui a envoyé un courrier recommandé en disant que cet accord, du coup, pour l'instant, était caduque. Oui. Si elle ne respecte pas sa partie du contrat, nous, on annule aussi la nôtre. Donc on a fait en plus... Tout ce qu'il fallait.
Bien un pas vers elle pour arranger les situations. Alors cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, je vais la prévenir. Attention, Johanna, je vais vous donner la parole dans une seconde. Faites comme si c'était spontané. Johanna, que se passe-t-il là-bas, salle des appels ? Eh bien, je viens d'avoir Sandrine, mais c'est sur son répondeur. Si vous souhaitez, vous pouvez laisser un message. Non, vous continuez à avancer et je reviens vers vous après. Okay. Vous voyez, quand on prévient les gens à l'avance, il n'y a plus de... Bon, après, c'est un peu embêtant. Dieu merci, ça n'arrive qu'ici. Allez, on avance. Black Market, on aura du nouveau Bernard Sabat. Ah, j'en suis à plus de 20 minutes, Julien, d'attente, hein, mais je sais que je vais avoir un superviseur. Bon, ça, c'est gagné. Pour Laurent, on essaie d'avoir Solidus Invest. Et ensuite, bah, c'est le Patrick, hein, qui attend, mais qui n'a pas envie non plus d'y passer la nuit. Patrick, on le rappelle, il a été attaqué par les chiens des voisins. Ils ne se sont pas fait indemniser et sa femme a été blessée. Nous allons voir les photos, d'ailleurs, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Gravissimes, les blessures. Attention, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. La dernière ligne droite, mesdames et messieurs, et juste avant d'attaquer le nouveau cas de Patrick et en attendant d'avoir des nouvelles des autres cas, nous repartons sur le décryptage des étiquettes, l'émission anti-arnaque avec Olivier Daubert et le fameux lequel des deux, à vous de jouer. Mesdames et messieurs, c'est parti avec une question qui est posée à Laurent. Question. Laurent, j'ai du pain de mie dans les mains. J'ai un pain de mie classique et un pain de mie sans croûte. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les magasins. Oui. Pain de mie où on a enlevé la croûte. Dans les deux cas, c'est la même marque. Elle s'appelle Harris. Dans les deux cas, c'est 500 grammes de pain de mie. Et ma question est, entre le avec ou sans croûte, lequel est le plus cher ? Le plus cher, c'est avec croûte ou le plus cher, c'est sans croûte ? C'est sans croûte. Bah, c'est sans croûte parce qu'il a fallu la découper, la croûte, évidemment. C'était la bonne réponse ? C'était effectivement la bonne réponse, c'est le sans croûte, mais c'est surtout l'écart de prix qui est très impressionnant, puisque le classique, il vaut 1,50€ à peu près. Celui où on a enlevé la croûte, alors c'est effectivement une étape industrielle, puisque le pain, à la base, on le fabrique bien avec une croûte et on lui enlève, il coûte 2,70€. Alors, on n'a pas doublé le prix, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Et là aussi, comme souvent, en mouvant le prix de ce service-là, de ceux qui n'aiment pas la croûte, eh ben on l'a enlevé. Surtout que ça ne change pas énormément. Mais c'est ça qui est quand même assez surprenant, mais on l'a enlevé, on vous le fait payer. Donc, c'est une bonne réponse. En part de marché, le sans croûte se vend plus qu'avec croûte. Alors, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années. Donc, effectivement, c'est en train de monter. Ça n'a pas rattrapé le classique, tout simplement parce qu'il est plus cher, mais on part de zéro. Ça n'existait pas parce qu'historiquement, le pain de mie était vendu comme ça, parce qu'il est fabriqué comme ça, tout simplement. Une question subsidiaire pour vous, Laurent. Bernard Sabat et Hervé Pouchol sont deux négociateurs. Lequel est avec croûte, lequel est sans croûte ? À votre avis ? Les deux. Les deux, vous avez raison. Non, quoi qu'il en croûte. Il y avait notamment l'émission du regretté Jean-Pierre Farnaud, combien ça croûte ? Alors nous allons maintenant poser la question à Ludovic. C'est parti. Ludovic, on va parler lardon. Le lardon de porc classique, en l'occurrence CRT, j'ai 200 grammes de lardon. Et puis ce qu'on appelle désormais, alors improprement aux yeux de certains, mais les lardons végétaux, c'est-à-dire qui sont faits sans matière animale, notamment la marque Lavie. Entre le lardon de cochon et le lardon végétal, lequel des deux est le plus cher ? Ben, le végétal est plus cher que l'autre. Alors, attention, vérification, mesdames et messieurs. C'est une bonne réponse et c'est là aussi beaucoup plus cher, alors qu'en toute logique, dès lors qu'il y a de l'animal, ça devrait coûter moins cher, parce que le végétal, dans la chaîne alimentaire, c'est l'étape avant, hein, puisqu'on donne à manger du végétal aux animaux pour les transformer et puis les manger ensuite. Le lardon végétal, ça vaut presque 4€ une barquette. Le lardon classique de cochon, ça vaut environ 2,50€. Donc là aussi, un très gros écart de prix. On vous fait payer le fait que bah, ceux qui ne veulent pas manger de viande, eh bien, vous allez payer. Donc, ça vaut quand même... Grosse campagne de communication sur tous les supports de la vie. Là, oui, c'est qui est derrière ? Ils sont tous en train de se battre. C'est des start-up. Vous avez la vie, vous avez Apivore, par exemple. Ils ont tous compris qu'il n'y en aura qu'un qui va s'imposer. Et c'est celui qui va arriver le plus haut, le plus vite, qui écrasera tous les autres. Et donc, ils sont engagés dans une bataille presque à la vie, à la mort. Attention, Cassandre, c'est à vous. Voici votre question. Cassandre, j'ai fait les lardons, maintenant je vais faire des pâtes, ça va très bien ensemble. J'ai des penne rigate de deux marques très célèbres, la marque française Panzani et la marque italienne Barilla. Dans les deux cas, j'ai 500 grammes. Entre 500 grammes de Barilla, de penne rigate, et 500 grammes de Panzani, penne rigate aussi, laquelle
et la plus chère de ses deux pattes. Sachant, Cassandre, que vous avez tout à fait le droit de dire « je n'ai rien compris ». Ou aucune des deux. Dites la vérité. Vous avez clairement l'une des deux. Non, j'ai compris. Ah, génial. Alors ? Je pense que c'est les Barillas. Les Barillas. La bonne réponse était... Allez. Dans le cas présent, c'était les Panzani qui coûtent plus cher. Oh. Et oui, oui, parce que historiquement, Barilla était positionné plus haut de gamme que Panzani, parce que c'est l'Italie. Mais l'image de marque de Panzani a fortement progressé. Et donc, je les ai payés, pour tout vous dire, 1,18€ les Panzani, les 500 grammes. Je les ai payés 1,12€ les Barilla, c'est le prix moyen. Donc, c'était une mauvaise réponse. Deux produits qui ne se caractérisent pas par le Nutri-Score le plus vert possible, la mayonnaise et le Nutella. Et ma question est entre les deux, lequel des deux est le plus gras entre du Nutella et de la mayonnaise ? Oh, vous allez pas le couillonner, le Patrick, avec cette question. Vous allez voir. La réponse était Patrick ? Je dirais que c'est le Nutella. Il dit que c'est le Nutella et la bonne réponse était ? La mayonnaise. Bravo. Dans la mayonnaise, il y a 70% d'huile à quelque chose près. Le Nutella, c'est certes gras et riche, mais il n'y a pas que de l'huile, il y a aussi du sucre. Donc, il y a beaucoup moins d'huile que 70%. Heureusement, quand même, c'est une mauvaise réponse. Alors, il y en a deux à départager, c'est ça ? Oui, et on va les départager, si vous le voulez bien, avec une question sur le Nutella. Allez, c'est parti, voici la question. Il faudra donner un chiffre pour se rapprocher de la bonne réponse. C'est les deux garçons qui jouent. Allez-y. Combien y a-t-il de noisettes en pourcentage dans le Nutella, d'après vous ? En pourcentage. Ah. 37. 37, et combien vous nous dites, Ludovic ? 15. 15 ! Et Ludovic, c'est une bonne réponse, c'est 13%. Vous avez en général 13% de noisettes dans les pâtes à tartiner, que ça soit Nutella ou les marques de distributeurs. 13%, c'est bon. Vous, Ludovic, qui êtes le plus près et d'assez loin, d'ailleurs. Ah ouais, bravo, Ludovic, hein. On n'a rien à caguer du jeu. Pardon, il se moque royalement de cette animation que nous venons de faire. Mais peu importe, on le fait quand même. Nous, ça ne nous arrête pas, ça. Une montre RTL, non, en plus. Oui, mais bien sûr. Allez, c'est parti. On fait un petit round-up, mesdames et messieurs, avant d'attaquer le cas de Patrick, puisqu'il y a plein de choses. Il y a Laurent, tout d'abord. S'il vous plaît, Linda, vous nous rappelez ce qui arrive à Laurent. Laurent, c'était sa facture de 3 400 €. Il a aménagé un bureau et il n'a jamais été réglé. Alors, où en est-on, s'il vous plaît ? Là-bas, à celle des appels. Alors, le problème avec Laurent, c'est qu'on ne peut laisser que des messages. Le fixe et Sandrine ne répondent pas. Ils sont tous les deux sur messagerie. Bon. Donc, j'ai laissé un message. Attendez. On essaie de joindre. Ne vous inquiétez pas. Hein, sur les appâts aujourd'hui, on va les avoir très rapidement. Sandrine Bralloret de Solidus Invest. En ce qui concerne Amazon, est-ce qu'on aura de bonnes nouvelles pour notre DJ Ludovic, qui, je le rappelle, n'arrive pas à se faire rembourser ? Ludovic, c'était la carte graphique à 1 200 €. Oui. Il l'avait bien reçue, mais elle ne correspondait pas tout à fait à son ordinateur. Elle l'a bien renvoyée. Le pli a été réceptionné par Amazon, mais le mastodonte de la vente par correspondance tarde à le rembourser. Hervé Pouchol, s'il vous plaît, est-ce que vous avez du nouveau de votre côté ? Je n'ai pas de nouveau, mais je m'attends à tout avec Amazon parce qu'on a, je leur ai lancé un petit challenge avant la fin de l'émission, donc j'attends c'est du très nouveau rare d'une minute que l'on ait la réponse pile pendant la réponse. On l'a toujours le lendemain ou le surlendemain, et pour l'instant, c'est 100% de bonnes nouvelles. Cassandre et Black Market, là, on aimerait bien avoir quelqu'un. S'il vous plaît, Linda. Cassandre avait acheté un téléphone reconditionné à 500 €. Quand elle l'a reçu, il était un petit peu abîmé, donc elle l'a renvoyé, mais Black Market lui dit qu'il n'a jamais reçu le téléphone incriminé. N'avait pas réussi à voir Thibaut Hugues de La Rose, le président, s'il vous plaît, Bernard ? Non, mais j'ai eu un superviseur. Vous savez comment il s'appelle ? Non. Bienvenue. Ah, très bien. Bah, ça tombe bien. Je lui ai dit, écoutez, je ne comprends pas, ça fait des semaines et des semaines que je me bats avec vous pour obtenir donc ce téléphone. Il m'a dit, écoutez, faites-moi confiance, je suis le superviseur, je connais votre dossier, il n'est pas détruit, il est de nouveau instruit et vous aurez une réponse vendredi. Je vais vous confirmer ça par mail dans les prochains jours. Donc, en l'occurrence, je pense que Cassandre va recevoir un mail là dans les 24 heures lui disant exactement que son dossier va être réouvert. À mon avis, vendredi après-midi, il y aura du nouveau. J'en suis même à peu près sûr parce que, de toute façon, il le faut. Black Market, vous ne pouvez pas dire au client, vous avez perdu le colis, vous ne pouvez pas lui dire allez déposer plainte, donc elle va déposer plainte parce que vous avez perdu le colis, donc c'est quand même du temps, et là-dessus, envoyez-nous la plainte, elle vous l'a envoyée 7 fois, c'est ça ? 5, 4, combien 3. Non mais moi je trouve que c'est toujours 200 fois, on voit la plainte et il ne se passe rien. Il faudrait en plus que ça bouge, parce que pourquoi elle a envoyé le colis ? Parce que le téléphone reconditionné, c'était pas la bonne couleur, la batterie ne fonctionnait pas, c'est pas parce que c'est reconditionné que ça doit être de mauvaise qualité. Donc à eux, la balle est dans leur camp pour montrer que ce sont des grands. On va parler de notre Patrick, mais auparavant vous allez nous dire ce qui se passe à Guy Primessac. C'est de là qu'il vient. Oui. Vous avez toujours habité là-bas ? Toujours. Eh ben voilà, c'est parti. Johanna, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, demain, on y va. Allez, hein. Elle est fraîche, ma laitue, elle est fraîche, elle est allée, ben on l'achète. Tout à fait. Eh bien, demain, il y aura le tremplin des jeunes talents à Guy Primessac.
organisée par l'association Boubou. Oh. Les artistes de 7 à 77 ans sont attendus sur la scène. Il y a de la musique, du théâtre, des clowns. Vous choisissez votre talent. Et le lauréat du spectacle recevra même 300 euros. C'est le nom de votre association, Hervé Pouchol, Boum Boum, à une époque. Oui, il y a une époque, mais non, j'ai changé. C'est bim, bam, voilà. Boum. Patrick, qui était routier, oh là là, vous faisiez des très longs trajets ou des petits? Ça dépend. Combien de kilomètres? On va dire entre 3 et 500 par jour. D'accord. Ah oui, 3 à 500 par jour. Mais vous restiez, donc vous rentriez à la maison tous les soirs? Non, pas à cette époque-là. D'accord, ok. Mais vous sortiez du pays? Un petit peu. J'ai fait un peu l'Espagne, le Portugal. Ben quand même, c'est des beaux trajets. Hein. Bon, il n'est pas là pour ça, il est là parce que son épouse, mesdames et messieurs, s'est fait attaquer par les chiens du voisin. Les photos sont sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. C'est assez impressionnant. Ils sont assurés normalement et l'assurance n'a pas l'air de vouloir bouger. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, regardez les photos avant de les mettre, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a rien. Si vous, il y a des enfants qui ne veulent pas regarder, il n'y a rien de grave. C'est juste une petite blessure, mais voilà quand même un chien. Quand il attaque, qu'est-ce que c'est comme chien, comme race ? Berger merlinois. Voilà, donc il a bien croqué quand même. Hein. Vous voyez, c'est pas rien. Elle a eu des points, elle a eu un bleu, la pauvre. Elle a dû surtout avoir très, 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 très peur. Maintenant, la peur des chiens. Des... Voilà. Et on le redit, hein, ici, s'il y a bien une émission qui défend les animaux, vous le savez, c'est celle-ci. Mais pour autant, c'est pas... Moi, j'adore les chiens. Mon chien, c'est l'amour de ma vie, mais c'est pas pour autant qu'on doit embêter les autres. Donc, que ce soit pour la propreté sur les trottoirs, moi, je suis le premier à être scandalisé quand je vois des gens qui ramassent pas. Il y a des gens qui ont pas à faire attention où ils mettent les pieds. Les gens qui, sur les plages, laissent les chiens. Il y a des gens qui ont peur. Donc, ils lâchent leurs chiens comme ça. Donc, vous voyez des gens apeurés. Non, vous faites attention avec votre chien, c'est la moindre des choses. Ça s'est passé quand, ça, Patrick ? Ça s'est passé le 22 juin. Vers les 20h30. D'accord. Et ma femme promenait... Vous en avez vous-même un chien ? Ah oui, j'en ai deux. Comment s'appelle-t-il ? Vous connaissez les noms, vous ? Parce qu'il y en a certains sur ce plateau qui ne connaissent pas leur chien. Le petit feignant qui est derrière, là, c'est Nouchka. Alors, lui, c'est... Oh là là, la fripouille de Nouchka. Il n'est pas tout jeune, Nouchka ? Oh, il n'a que 4 ans. Ah oui, il n'est pas tout jeune. Monsieur s'y connaît en chien. 4 ans, 4 x 7, 28 ans. Ah oui, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Exactement. Il a une tête de vieux, voilà. Mais il a... Et c'est parce qu'il a du souci pour vous et pour sa maîtresse. Alors il a pris surtout, un coup de vieux. Surtout pour lui aussi, parce qu'il a, il a, il a été blessé lui aussi. Ah, mais il a été croqué aussi, lui. Ah, bah il a été croqué lui aussi. Oh là là. Parce que là, ça, ma femme, ça s'est passé le 22 au mois de juin. Ouais. Et au mois de septembre, ben, Nouchka, avec son copain Titou, était en train de s'amuser sur la pelouse. Lui, il est sorti de son parc, il est venu agresser mon chien. Le chien, il s'est camouflé sous le garage, il était étouffé par 5 chiens, donc 4... Vous êtes arrivé à temps, alors. 4 bulldogs, plus... Oh là là. Et Nouchka, après, il a réussi à se sauver dans la maison. Oui. Ils sont rentrés tous les 5 au galop dans la maison. Pour essayer de... Bon, c'est devenu une scène de panique. Oui, il nous a cassé la table. Je voudrais voir le deuxième chien. Voilà, ça c'est la table cassée. On n'a pas le deuxième toutou, si vous me dites si vous ne l'avez pas. On ne l'a pas. Donc il y a eu de gros dégâts. Bon, c'était une scène qui a dû très faire peur. Donc c'est des bulldogs, voilà. Et aujourd'hui, il y a une assurance apparemment qui ne fait rien. Linda, vous allez nous donner tous les détails. C'est vous, Hervé Pouchol, qui allez avancer. Oui. Bon, eh ben, elle nous regarde certainement, votre épouse. Comment s'appelle-t-elle ? Josette. Josette, on vous fait... Ah, Josette, vous l'avez rencontré où ? Vous allez nous raconter ça ? Parce que des Josettes, croyez-moi, c'est très difficile à rencontrer. Oui, c'est comme certaines cartes Pokémon, on les trouve jamais, vous allez voir. Sur RTL. Nous venons d'apprendre que Josette, l'épouse de Patrick, s'est fait attaquer par une meute de chiens. Ceux du voisin, il était sur le point de nous dire, Patrick, où il avait rencontré Josette. Moi, c'est que les femmes, comme beaucoup, garent mal leur voiture. Oh là là. Moi, je voulais garer ma voiture dans mon garage et elle s'était mise devant le portail. Donc, au début, vous sortez sur vos grands chevaux pour crier ? Non, même pas. Ah bon ? Non, j'étais... Mais ça a matché tout de suite ? Vous vous êtes... Comme il y avait une collecte de sang à côté, donc... Je t'offre un rendez-vous galant si on allait donner notre sang tous les deux. J'ai demandé à qui qu'elle était, cette voiture-là.
Ouais. Et à qui qu'elle était alors? À madame. Eh ben voilà. Et alors, mais alors après? Et puis, pendant, on va dire quelques mois, le petit cerveau, lui, ça l'a travaillé. Ouais. Petit pied, et bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que le petit cerveau qui a travaillé, visiblement. Hein, parce que vous l'avez rappelé. Il y a eu un petit clic. Bon, d'accord. Petit clic. Ah, les histoires d'amour, j'adore parce que c'est improbable. Moi, j'adore. Vous vous rendez compte, elle se gare mal. Et alors, mais vous l'avez recontacté après, vous vous êtes rappelé que vous aviez le numéro sur son assurance, c'est ça, non? Ben, c'est qu'on habitait pas loin de la. Ah. D'accord. Bon, c'est génial. Combien d'années de mariage aujourd'hui? 37, 38, de 85. Ah. Donc au début, ça a été le grand amour, et puis petit à petit, les choses se sont dégradées, et un jour, il a été voir son voisin en lui disant « Est-ce que tu ne pourrais pas lâcher les chiens, s'il te plaît, parce que là, il y en a marre ?» Et c'est de ça dont nous allons parler. Donc, vous allez voir que l'histoire, elle est dingue. Le voisin, donc des chiens, des races, des bulldogs, des... Il y a quatre bulldogs, et qui... plus un berger merlinois. Donc ils sont méchants, ces chiens? Ah ouais, ils sont très méchants. Ils peuvent attaquer tout le temps? Ouais. Bon, ils se sont jetés. Il y a des gens qui refusaient de passer devant parce qu'ils avaient peur des chiens. Alors, ils se sont jetés sur son épouse, ils lui ont attaqué le mollet, ils se sont jetés sur le petit chien, ils sont rentrés dans la maison pour essayer d'attraper le petit chien et le tuer, je suppose. Ils ont cassé une table. Alors, pourquoi aujourd'hui, Linda, s'il vous plaît, ce monsieur, je suppose que ses chiens sont assurés? Vous savez pas? Mais j'ai vu qu'il y avait une assurance. Dites-nous, Linda. Oui, il y a une assurance, mais bon. Bon, alors, allons-y. Linda. Oui, pardon. Linda, je suis au début. Vous allez encore me disputer. Pas du tout, mais là, on s'inquiète. Vraiment, on commence à recevoir des messages. C'est scandaleux, elle est en train de faire un malaise. Vous ne vous en apercevez pas. Vous continuez à lui poser des questions. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien. Alors, on y va, c'est parti. En fait, Patrick a une assurance, mais cette dernière est en relation avec l'assurance du voisin. Et c'est sans doute là qu'il y a un problème, parce qu'ils se parlent entre assurances. L'assurance du voisin, pour le moment, n'a pas donné confirmation qu'elle avait reçu les documents envoyés par l'assurance de Patrick. Il nous faut absolument avoir la version du voisin. J'arrive, s'il vous plaît, je m'adresse à notre avocate, mais là, je veux qu'on appelle spécialiste de voisinage, Hervé Pouchol, allez-y. S'il vous plaît, appelez tout de suite le voisin. Si on a son numéro, je crois qu'on l'a. Tout à fait, des deux époux qui sont en face. Allez, on y va, c'est parti. Allez, ça sonne, le voisin. Alors moi, je ne l'ai pas sur ma fiche, mais je dois avoir une... Il s'appelle comment? Quel est le prénom du... Monsieur Gilbert, Jean-Christophe. D'accord. Ah, c'est occupé. Alors, c'est occupé. On essaie d'avoir Monsieur Gilbert, Jean-Christophe. Allez-y, maître. Oui, alors, on est responsable. Voilà. En réalité, les chiens ne sont peut-être pas assurés, mais qu'importe. On a notre assurance responsabilité civile, notre assurance habitation. Et le chien, on l'a en garde et on l'a sous sa garde. Et on est donc responsable des dommages qu'il crée. C'est pour cela qu'il doit y avoir une indemnisation. Vous avez déposé plainte? Oui. Et alors, elle a été... Pour l'instant, rien. Pas de nouvelles? Pas de nouvelles. Bah, c'est fou. Et depuis, c'est calmé? Il fait quoi? Où ça se passe? Le chien a été euthanasié. Oh. Ah, oh, le pauvre. Alors, le pauvre, parce qu'encore une fois... Oui, mais parce que je pense, parce que moi, le maire m'a dit comme ça que normalement... À cause de ça, il a été euthanasié? Oui, parce que normalement, ils font trois examens pour voir son comportement. Et c'est lui qui l'a dressé comme ça? J'en sais rien. C'est une question où il était comme ça dès le départ? Je sais pas. Bon. Voilà, c'est terrible. Parce qu'après, il y a ceux qui dressent leur chien à être méchant. Le chien pète les plombs à force d'être dressé, attaque. Et après, qui prend la peine? C'est pas le propriétaire qui l'a dressé à devenir méchant. C'est le chien qui est euthanasié. Ce qui est un véritable scandale. Bon, alors on essaie d'appeler non-stop. Est-ce que vous voulez appeler de votre côté la Banque Postale pour savoir comment avance ce dossier, s'il vous plaît? Dites-moi en plus, Hervé Pouchol. Alors écoutez, c'est fait concernant la Banque Postale, c'est la bonne nouvelle dans ce dossier parce qu'on a très bon contact avec la Banque Postale, donc le dossier est déjà en instruction au niveau de la Banque Postale. Quant à la voisine et au voisin, ça ne répond pas, ça sonne dans le vide pour l'instant. Non, ça ne vous étonne pas, si, ils sont peut-être en train de travailler, vous inquiétez pas, là ils savent, ils vont savoir qu'on les appelle, donc on leur redit, redonnez-moi leur nom s'il vous plaît, Linda. Monsieur et Madame Gilbert. Monsieur et Madame Gilbert, soyez sympas, on a besoin de savoir car c'est obligatoire, hein. Rappelons-le, Anne-Claire Moser. Vous devez avoir une assurance pour vos chiens. Un chien, ça peut attaquer, ça arrive, qu'il soit gros ou petit, et votre assurance joue. Mais si vous n'avez pas assuré vos chiens, là, ça va être plus compliqué, parce que avec le dépôt de plainte, c'est vous qui allez être attaqué. Julien, c'est surtout que nous sommes responsables de nos propres animaux, comme si, par exemple, ou de nos enfants, par exemple, pardon pour la comparaison, mais elle est pertinente, si votre enfant va casser des choses, Madame etc., Gilbert. Eh bien, vous êtes responsable. Ah, Gilbert, oui, Madame Gilbert, ne quittez pas. Gilbert. Allô, Madame Gilbert? Allô? M'entendez?
Bon, ça passe pas. Je suis désolé, Hervé. Je pense qu'elle ne nous entend pas. Donc, parlez avec elle, Hervé, et avancez dans la négociation. C'est bien dommage. Quitte à mettre votre haut-parleur, peut-être Hervé Pouchol, s'il m'entend, est-ce qu'il peut mettre son haut-parleur ? Si vous êtes assuré, madame. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Mettez le haut-parleur pour qu'on entende la réponse de cette dame. Bon, je veux bien vous mettre le haut-parleur, mais elle me répond pas. Ah, d'accord. Ok. Alors. Allô ? Alors, est-ce qu'elle dit quelque chose ? Elle dit, moi, elle m'entend pas. Elle vous entend, vous. Parlez-lui, Hervé. Madame Gilbert. Elle est assurée. Voilà, ben voilà. Elle est assurée. Elle c'est sûr. Oui, on a la certitude parce qu'on a, les deux assurances dans le dossier. Bon, alors, est-ce qu'elle a fait une déclaration à l'assurance ? Ça, on ne sait pas, par contre. Mais je pense que, comme disait Linda, on a vraiment un problème de communication, manifestement, entre les assureurs, car il y a des papiers à transmettre. Et une fois que ce sera transmis, moi, j'ai quand même bon espoir que ça se... Ils ont tous les papiers. Voilà, donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça bloque, mais ils sont effectivement bel et bien assurés. Parce que là, comment Groupama a envoyé au moins une dizaine de relances ? Groupama, c'est votre assurance ? Ouais. Ouais. À la banque postale qui est l'assurance de la dame. Ouais. Et aucune... Ça bouge pas. Bon, eh ben, ça va bouger avec nous parce qu'on a un super contact à la banque postale. Alors, vous me dites un petit peu comment ça se passe, Hervé Pouchol, s'il vous plaît. Un, banque postale. Deux, avec cette dame. Alors, madame Gilbert vient de m'envoyer un petit texto en me disant qu'elle allait me rappeler. Donc, ça, c'est la première. Je pense qu'elle ne nous entendait pas bien, que ça passe très, très mal au niveau réseau. Quant à l'assurance de madame Gilbert, j'ai contacté la banque postale Assurance. Et donc, là, pour l'instant, le dossier est en instruction. Donc, oui, on aura mais je suis certain que ça va bouger. D'ici 48 heures, 72 heures. Mais la banque peut quand même indemniser, même s'il n'a pas fait de déclaration, maître Moser. Eh bien, non, il faut quand même qu'il y ait des déclarations qui soient faites de part et d'autre, car vous imaginez bien que les assurances mais sont pas faites. Mais s'ils prouvent qu'il y a eu un dépôt de plainte et tout, ils vont peut-être instruire. Oui, ils ont le procès verbal. Mais ils ont oh là, c'est tout le monde parle dans la table, deviens fou. Non, je plaisante, excusez-moi, comme tout le monde parle. Et pour réveiller un peu l'assistante, laissez tout ça vachy, là, en train de. Voilà, allez-y, après je vous donne la parole, monsieur. Non, le nécessaire a été fait, donc ça va aller, c'est l'assurance qui va régler, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement, mais il faut attendre d'avoir les documents. C'est un peu bébête, mais il va y avoir une quittance à signer parce qu'il y a du matériel. D'accord. Et de l'humain. Maintenant, c'est à toi, Patrick. Hein, ouais, ben... Donc, tu n'as rien à dire. Non. Tu t'es permis d'interrompre l'avocate alors que tu n'as rien à dire. C'est pas bien, ça, Patrick. Que l'on envoie le chien dressé sur Patrick. Je plaisante. Et encore une fois, allô, tenez-vous. Madame Gilbert. Elle est de retour. Oui, on a bien fait de plaisanter. Attendez, je vous entends beaucoup mieux. Alors. Attendez, on refait un essai. Bonjour, madame. Merci beaucoup de me parler. M'entendez-vous, madame ? Ah, c'est beaucoup mieux, Hervé Pouchol, c'est clair, c'est sans commune mesure, c'est le jour et la nuit. Alors, ne me la repassez plus et avancez avec la banque postale. Je crois que, Johanna, nous avons quelqu'un en ligne. Nous avons Brigitte qui est avec nous. C'est un autre cas, vous allez voir pas n'importe quel. Birgitte, m'entendez-vous ? Oui, bonjour, Julien. Eh ben, voilà une ligne téléphonique qui marche. Vous êtes chez qui est votre abonnement, Brigitte, de ligne téléphonique ? Non, c'est SFR. Eh ben voilà, ça marche bien SFR, tant mieux. Oui. Brigitte, c'est un vélo électrique défectueux. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Attention, je vous parle, Linda. Regardez-moi bien dans les yeux. C'est à vous de parler. Mais on va se demander lequel de nous deux est en train de faire un malaise, parce que Brigitte, c'est des travaux sur un chantier, mon bon. Ah bon ? Ben, oui. Oui, mais parce qu'on a deux Brigitte, ma belle. Elle m'a pas prévenu, Johanna. Il y a Brigitte avec les travaux et il y a Brigitte avec le chantier. Ouais. Là, c'est Brigitte avec le chantier. Non, pour le chantier, absolument. Donc la fin d'émission, ça va aller tout doux, mon chou. Hein. Oui, merci, madame. Brigitte, elle a eu besoin de faire des travaux de mise en conformité. Elle a versé 2600 euros à l'artisan. Je m'excuse. Bien aimable. Bon, ça va pour cette fois, mais excusez-moi, que je ne t'y reprenne pas. Ok. La prochaine fois, vous me baiserez la main, je vous prie. Donc, l'artisan est venu, mais au bout d'un moment, ce monsieur n'est plus venu. Mais en revanche, il a envoyé des messages un petit peu coquins à Brigitte. Ah oui. Notamment une photo. Alors, j'étais très choquée en tant qu'allemande. Un nain de jardin nu. Ah, on les a plus tous ces photos, je sais pas si on les a. Ah, c'est génial, c'est des artisans, c'est le troisième artisan qu'on a. Oui. On en a eu un qui, la dame se plaignait, s'est pris en photo en slip sexy, torse nu, avec les mains comme ça, vous savez, voulant dire bah, tu peux toujours continuer à m'appeler, voilà. Là, il lui envoie un nain. Un nain de jardin. Qui fait un doigt d'honneur, non ? Non, il était juste à poil. Ah ouais, d'accord. J'ai bien regardé. Alors, est-ce que ça a bougé ? Qui s'était occupé de ce cas, Hervé ? C'était moi. Pardon, allez-y. Julien. Écoutez, j'avais eu Antonio qui me disait beaucoup de choses. Il me racontait par texto sa life. C'était un petit peu compliqué. Et là, je viens de l'appeler hors antenne il y a quelques secondes. Et il vient de m'envoyer un texto où je vais vous le dire parce que c'est assez comique. Bonjour. Comme je vous l'ai dit au téléphone, mes difficultés sont grandes. Mais je fais mon possible et je m'engage à faire mon possible pour vous verser 500 euros cette semaine, en l'occurrence en fin de semaine. Mais ça serait bien que tous ces cinémas, là,
s'arrête parce que en fait, je suis pas totalement fautif dans cette histoire. Voilà, merci et de la compréhension. Alors, moi je suis d'accord, mais moi j'aimerais bien que ce monsieur nous explique alors monsieur Ferreira Rénovation, là Antonio Carlos Machado Ferreira, en quoi il est pas tout à fait responsable, parce que nous on essaie de savoir. Nous ce qu'on a, c'est qu'elle est propriétaire d'une maison, elle réalise des travaux, elle verse 2600, les travaux doivent commencer dans la foulée et rien n'a été fait. Donc je veux bien qu'il nous donne une explication. En tout cas, presque rien. Qu'est-ce qu'il a fait Brigitte à la louche? Qu'est-ce qu'il a fait Brigitte à la louche? Presque rien. Il a posé deux, trois bâtons pour faire soi-disant une balustre. Ah oui, c'est ça. Bah, des bâtons. C'est tout quoi, des bâtons de 5 cm sur 5. Ça fait, non, ça fait même pas une balustre, c'est même pas énorme quoi. Ouais, oui. Alors, Linda. Non, je n'avais rien à dire. Excusez-moi, mais j'essaie de me faire pardonner en vous donnant la parole plus que prévu. Mais bon. Faites-le de manière oui. Constructive. Il va, Brigitte, il va donner 500 euros, ça vous va? En fin de semaine. Oui, il a déjà dit ça la semaine dernière. Ah oui, non. Oui, mais là, il me l'a écrit. Alors là, écoutez, il l'a écrit. Oui, d'accord. Là, je viens de l'avoir. Là, non, on lui dit à M. Okay. Machado Ferreira Antonio, là, si vous ne les donnez pas à la fin de la semaine, vraiment, c'est qu'il y a anguille sous roche. La bonne nouvelle, c'est que Brigitte, elle habite à Reims, donc si elle a besoin d'un bon commissaire de justice pour aller chercher les sous chez monsieur Machado Ferreira, je pourrais lui donner une adresse, parce qu'effectivement il a déjà promis la semaine dernière de donner 500 euros, il ne s'est pas exécuté. Là il fait encore des promesses, c'est formidable, parce que Bernard, il a une trace écrite, donc on a des preuves. Il a fait quasiment rien, trois petits bâtonnets, ça vaut sans doute pas 2600 euros, donc il y a un petit compte entre les parties à faire, et on va aller le chercher cet argent si il le donne pas spontanément. Bon, il va les donner, j'en suis sûr. Vous aimez chanter, Brigitte? J'espère. Oh non. C'est dommage chanter. Parce qu'on a une chanson pour faire payer les gens. Ah oui. Vous allez voir. C'est la chanson de Maca. Do paye la clientèle, moule café. Maca. Machado. Do paye la clientèle, moule café. Vous allez voir, ça va marcher. J'espère, ça va marcher. Allez, dites-moi Hervé Pouchot, en ce qui concerne le cas des chiens, la ligne très rapidement est toujours aussi bonne. Oui, enfin, j'ai pu décrypter quand même ce que m'a dit Madame Gilbert. Elle a bien fait, effectivement, sa déclaration. Elle m'a dit, c'est en cours. Et la dernière information qu'elle m'a communiquée, son assurance lui a demandé le complément d'information qu'elle a transmis concernant l'euthanasie de son chien. Ok, donc voilà. Ça va bouger. Et on a appelé la direction de la poste, ça bouge aussi. Donc l'indemnisation va pas tarder à arriver, d'accord? Ok. Allez, ça marche. Voyons si sur les autres dossiers, c'est avancé. La dernière ligne droite, mesdames et messieurs, RTL M6 dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, chaque jour une seule mission, faire respecter vos droits. Allez, voyons pour commencer ce week-end sur M6 si nous avons des bonnes nouvelles. Tout d'abord, Laurent avec sa boîte SRL Pure Works, je vous le dis, si vous avez du marquage adhésif à faire, allez chez lui, c'est le meilleur. Sa société étant située à Chiticaille. Que se passe-t-il? Alors, on n'arrive pas à voir. Solide Saint-Vest. Ohé, ohé, ohé. Ben alors, ma Johanna. Pourtant, j'ai chanté en laissant des messages à Sandrine au standard, mais écoutez, j'attends qu'elle me rappelle, mais j'y crois. Mais moi aussi, j'y crois. Donc, on l'aura la semaine prochaine et je vous appelle tout de suite. Merci. Sandrine Balleret de Solidus Invest. Un petit bisou à Léo au passage. D'accord. Son chéri d'amour, Léo. Ah, elle ne le montre jamais, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais on sait qu'il existe. Hein. Oui, moi, elle le cache bien, vous l'avez vu, vous? Non, mais j'ai demandé comment il était, on m'a dit que c'était un beau garçon. Ah bon, vous l'avez vu? Très mignon, j'ai vu des photos, ils sont adorables tous les deux. C'est vrai? Ah, très bien. Il a quel âge, Johanna? Il a 31 ans. Et vous avez? J'ai bientôt 31 ans. La cougar. Ouais. Nous avons, je le rappelle, Ludovic qui, avec Amazon, a un petit souci, mais là, je serais très étonné que ça ne se règle pas. Hervé Pouchol, qui, je le rappelle, nous a appelé en début d'émission qu'il était le fils du Capitaine Igloo. Dites-nous. Oui. Je serais très étonné également que ça ne s'arrange pas, cette histoire. Donc, rendez-vous lundi. Merci. Tant que je vous tiens, vous êtes intervenu sur le cas de Patrick. Alors, Patrick, le pauvre, lui, c'est pas le pauvre. Alors, il y a juste une question que je ne vous ai pas posée. C'est vous qui avez été sortir les chiens qui étaient en train de manger le petit et de... Ah bah, dans la maison, oui. Et votre femme, elle serait sortie comment, elle? Ah bah, ma femme, elle était avec mon petit gamin, mon petit-fils. Ah oui. Ah, parce qu'il y avait un petit garçon, ce jour-là. Ouais, il y avait mon petit-fils, et elle était en train de le promener parce que c'était cette première... Mais alors, il l'a mordu, il est parti, le chien, ou elle a dû se débattre, elle a... Vous savez pas? Je ne sais pas. Je sais que mon petit-fils, il a pris, il a pédalé, puis il est rentré vite fait à la maison, il était à peu près à 50 mètres de la maison. Et la grand-mère, elle est restée seule avec le chien, et elle s'est battue contre lui. Ouais.
Incroyable. Elle vous a pas raconté ce qui s'est passé ou... Si. Elle m'a dit, mais bon, là, comme c'était comment, juste à côté, et puis il y a des caméras. Ah, vous avez vu la scène, vous? Non. Non, on n'a pas vu. J'ai pas vu la scène. Donc, donc les caméras. Je ne sais quoi, pas. Mais non. Mais normalement, les caméras sont là pour. Oui, mais elles ont pas tourné. Protéger. Non, mais protéger la maison. Oui. Par la route, il y a la propriété aussi. C'était là. Oui. La route est passe ici. Oui. Et ils arrivent à voir la route. Mais est-ce que quelqu'un a vu quelque chose avec ces caméras? Là, oui, bah, Madame Gilbert. Ah, ok, bon. En tout cas, la bonne nouvelle, alors, c'est que la poste va intervenir, je crois, Hervé. Absolument. Je voudrais rassurer Madame Gilbert parce qu'elle s'inquiète qu'on l'ait appelée, tout ça. Et elle me dit, nous, de notre côté, on a fait absolument toutes les démarches nécessaires. Tenez-moi au courant. Tenez au courant votre voisine avec Josette. Prenez-vous un petit verre entre voisins. Et comme ça, vous faites le point dès que vous avez touché les sous. Hein, pardon? Voilà. Mon petit-fils ne veut plus retourner à descendre. Non, mais il n'ira pas. Il ne faut pas. Ouais, vous inquiétez pas. Il a parlé, mais c'est parce qu'il est un peu fatigué. En ce qui concerne Cassandre et Back Market, où en est-on, s'il vous plaît, Bernard? La bonne nouvelle, c'est qu'on a ce fameux monsieur qui s'appelle Bienvenu, qui a pris le dossier en main, qui m'a promis qu'en fin de semaine, ou en l'occurrence en début de semaine prochaine, Julien, Cassandre recevrait un mail pour lui annoncer, je suppose, une bonne nouvelle. Faites du rap, donc maintenant, c'est parfait. Cassandre, rappelez-nous le nom de votre association, que l'on puisse vous aider. Un avenir pour eux. Un avenir pour eux. Oui. Elle s'adresse à vous, Bernard. J'avais compris le message, Cassandre, merci. Mais malheureusement, je le vois très noir, personnellement. Bon, on a fait le tour de tout le monde, ou j'ai oublié quelqu'un? Vous allez tous avoir du nouveau, à mon avis, on devrait réussir le carré d'as avec vous quatre, ok? De rien, moi aussi, je vous remercie. Ils sont fatigués, les pauvres, ils n'en peuvent plus, ils sont là depuis, on les a fait venir il y a 4 jours, et ils veulent aller manger et faire leurs besoins, c'est bien normal. Merci beaucoup à vous, Anne-Claire Moser. Je vous en prie, Julien, parce que je sais que le vendredi, c'est coton pour trouver quelqu'un de compétent et de dispo. J'allais vous dire, vous me faites penser à Madame Musquin dans... Oui, bah, c'est ce que vous m'avez dit. C'est un peu la tenue de Madame Musquin qui est dans l'ascenseur. Ah bon, quoi. Ouais, ça craint, oui, ça ressemble un peu à ça. Moi, c'est mignon, je trouve. Mais oui, c'est mignon. Ça doit pas être cher en plus. Hein. Bah, oh, non, je l'ai payé 30 euros dans un truc dégriffé. J'ai le nez pour ça. Merci Olivier Dauvert. Vous êtes le spécialiste de la grande distribution, je le rappelle. Regardez. Bravo. Il est content.